J'ai pas eu mon bonsoir. Ah oui, non, mais. Mais si, t'as eu. Enfin, oui, oui. Bon, bonsoir Aurélie. Tout le monde va bien, hormis les oreilles de Tony. Apparemment, c'est ça la conclusion. Tout le monde va bien, hormis les oreilles à Tony. C'est bon, Tony, tu vas beaucoup mieux? Oui. Ok, c'est bon, on peut y aller. Yes! Passons au live. Et attention, regardez-moi ça. Non, ben toujours pas. Je sais pas le changer en 2 secondes. Pas du tout. Et voilà, tout ça pour ça. Non, ça n'a même pas marché. Ah, voilà. Et c'est bon. Alors, regardez. Ah bah non, vous pouvez pas voir. J'allais vous dire, il y a un petit indice, il se passe quelque chose d'extraordinaire actuellement, ce soir, là, tout de suite, maintenant. J'ai un défi construction à finir, mais détails, d'accord. Coucou Angoudémonia, bonsoir à Poulkiriku. Bah oui, mais attends, c'est lui qui entend rien, hein. Vous, vous entendez bien apparemment. Hein. D'ailleurs, bah du coup, j'avais remonté ma barre de son, alors je sais pas si c'est trop fort. Bonsoir Thiopli, Thiopi, pourquoi elle au milieu, je ne sais pas. Alors il va se passer quelque chose, parce qu'en fait j'ai dû redémarrer ma partie quand je l'ai lancée, ça s'est mis en lecture. Et en fait, eh ben, je suis heureuse de vous apprendre que... Il est en train de mourir. C'est un départ en toute beauté. Voilà, bah voilà, ça c'est fait. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On leur a sauvé juste un court instant. En fait, bah, il n'aura pas eu le temps de faire grand-chose. Est-ce que je le sauve? Est-ce que je le sauve pas? Pff, je ne sais pas. Ah, attendez, elle se lève. Elle va peut-être prendre l'initiative. Oh, non, elle pleure. On commence bien. Bah ouais, on commence bien. Donc du coup, on n'a plus de mec. On n'a plus de boniche. Et on va avoir, bah, si, des enfants qui vont devenir ados, heureusement. Le jour de l'amour a été horrible. Vous, tout à fait. C'est le cas de le dire. Je pense qu'elle passe sa meilleure journée de l'amour. Le live commence bien, mais oui, de toute beauté. Il avait vraiment envie de se donner en spectacle. Il s'est dit, non, non, mais moi, attends. Moi, je me tire de cette galère. Ressusciter, t'es folle ou quoi? Laissez-moi crever en paix. Donc, nous attendons patiemment Madame Lamort, si elle veut bien se présenter. Voilà, bonjour. Écoute, fais ton rôle, hein, finis ton boulot, j'ai envie de dire, n'aie pas peur, toi tu l'as vu, tu l'as supplié, tu peux même essayer de dormir. Qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi ça? A sauvé un Sims de la mort. Je suis pas sûre vraiment que ça ait fonctionné. Mais on est qu'autant. Et ça en fait un de plus qui va aller là. Voilà. Oh bah vous êtes beaux là tous ensemble, hein, franchement. À faire une petite réunion de famille. Regardez. Non, ça se déplace. Non, je peux pas le... Ouais, mais écoutez, il sera très très bien ici. Moi, je trouve qu'il a un très bon emplacement. Ils peuvent discuter ensemble. Et nous, nous allons essayer... Non, on ne me fait pas de blague. Oh, si, si, ça la fait rire. Ok, elle est en train de rire avec la faucheuse. Bon, écoute... J'ai d'autres choses à faire. Vois-tu? Je dois en plus créer des toiles. Et je travaille dans 7 heures. Oh, bah écoutez... Repose en morceaux. Bon, que c'est joli. C'est dur, la mort. Et garde... oui, j'aurais pu tenter de séduire... Oui. Oh, ça aurait été beau. La mort en boniche. Mais le problème, c'est quand tu lui parles, à chaque fois, elle se casse. Donc, je crois que j'ai décidé d'abandonner ce test. Mais j'avais déjà essayé, ouais. Josie, bonsoir. Ouais, spéciale dédicace à Aurélie. C'est pour ça, Aurélie, tu vois, je t'ai pas dit bonjour, mais en fait, en soi, c'est comme si je te disais bonjour, je te fais plus que de dire bonjour. Bonsoir, Salomé. J'arrive à point nommé. Exactement. Vous êtes arrivés au bon moment. C'est vrai que là, pour le coup, ceux qui vont arriver plus tard et qui vont dire « Est-ce que j'ai loupé quelque chose ?» Non, pas du tout. Tu n'as rien loupé du tout. Sauf que Philippe, il n'a pas du tout décidé de rester avec nous. Et maintenant, nous avons la mort qui danse dans le salon. En même temps, j'ai envie de dire, moi, il y a tout le monde qui se porte bien. Tout le monde est en train... Oh, non, j'ai une salade ici. Oh, bah ça alors... Ou alors c'est une salade qui est... Ouais, elle est poubelle parce qu'on connaît les salades... Ah, ah. Ah bah oui, ça commence bien, hein. Effectivement. Ça commence vraiment très très bien. Vraiment super bien. Un autre lavabo, pas loin. Un truc où je peux jeter... Ah bah voilà, là-dedans, ça risque rien. Eh bah on est content. Voilà, c'est un début de journée magnifique. On dit un petit bonjour à Aurélie. Bonjour Aurélie, comment vas-tu? Toujours bien, très très bien, c'est bien. Et voilà. Oh non, déjà. Bonsoir Léa.
Ah oui, tu l'avais dit en plus hein, que tu te le réservais. Bon, bah ok, bah, alors après la mort de Philippe, nous allons passer en tête d'avocat pendant une petite minute pour votre meilleur, pas quart d'heure, mais minute guacamole. Je suis heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous. Guacamole time, exactement. Bon, et en attendant, donc normalement c'est aujourd'hui? Non. Ah non, c'est dans 2 jours. 3 jours. 3 jours. 2 jours. Ah ok, c'est dans 3 jours. Je pensais que c'était beaucoup plus proche que ça, moi j'avais pas du tout vu ça comme ça. Bah commence par faire pipi, ensuite tu vas prendre une douche, toi t'as faim, bah commence par aller manger, ah bah non, enfin si, tu peux prendre des restes. On va faire ça comme ça. Oh, maman toute seule, ça va être une galère, elle travaille aujourd'hui vraiment. Oh là là, il y a tout qui est pété. Pourquoi tout est pété? Non, je ne suis pas d'accord. J'ai pas de talent de réparateur, j'ai mon jardin qui est... Oh, comment on va faire? J'en peux plus. Je lui ai passé la malédiction. J'ai une erreur et vous? T'as une erreur de quoi? Pareil. Ah, vous avez une erreur sur le live? Mais oui, c'est vrai, tu m'as passé la malédiction. Angie, t'as changé de métier. Oui, tout à fait. Pourquoi? Il y a tout qui est cassé. Ouais, carrément. Ouais, je sais. Il y a tout qui est cassé. Pourtant, il n'y a pas eu de fantôme. Hein. Ça commence à peine. Erreur 2000. Mais non. Forêt fraîche. Je vous attends. Je vous attends. Vous en faites pas. Pour le moment, je suis juste en avocat. Tout va bien. Allô? Allô, Stéphie? Je crois qu'on a tous refresh. Nous sommes maudits, les amis. Complètement maudits. Bon, toi, tu t'en sors? Oui, c'est bien, elle va manger un truc. Un sandwich au fromage. Ouais, bah, écoute, pourquoi pas. Maman, est-ce que tu as bien fini? Non, tu n'as toujours pas fini. Par contre, on va y aller. À un moment donné, on se lève. C'est bon. Oh là là, on a deux bambins. Mais comment je vais faire? Vous comprenez bien? Comment je vais faire? Je vais faire quoi? Je sais pas. Je sais pas du tout comment je vais m'en sortir. C'est une cata. Il me faut absolument un mec. On avait dit qu'on avait une idée d'un mec. Je ne sais pas. Bonsoir, Liora. Ah, bienvenue. Pas de soucis chez moi, peut-être parce que je suis sur tablette. Eh bien, écoute, pourvu que ça soit ça et que ça fonctionne bien. C'est tout ce que je te souhaite. Faut faire le plan Pérou. Ah, mais je le connais pas, moi, le plan Pérou. Je suis sûre que c'est l'avocat qui a tout planté. Ça doit être ça. Mais est-ce que je prendrais pas une petite journée? Comment trouver un mec? Je ne sais pas. Je suis perdue. En plus, elle travaille encore dans 38 minutes. Comment trouver un mec? Bah écoute, va travailler et ce soir, tu trouveras un mec. Bah non, elle a même pas créé ses toiles. Elle va prendre une journée de repos. En plus, elle est très triste. Oh non, je suis pas sûre en fait. Vendre à un collectionneur. Rien ne va plus. 9 minutes. Comment je vais? Comment je vais? Je veux prendre une journée en fait. Prendre un jour de congé. Oui, je prends un jour de congé. Voilà, et ensuite, faut que je me trouve un mec. Attendez, il y a quelqu'un qui passe. Franchement, on s'en fout en plus. On s'en fout tout plein. On s'en fout tout plein. On s'en fout de sa tête puisqu'on veut rien faire avec lui. On n'a pas quelqu'un qu'on connaît. Ah non, on connaît personne, que des vieux. Oh, toi, t'es peut-être pas si vieux que ça. Une présentation amicale. Ou est-ce que je vais au bar? Je sais pas. Je sais pas. Olivier, quoi, Olivier? Vous voulez un... Olivier, mais Olivier, c'est le mec de ma sœur. Je vais pas lui piquer son mec, quand même. Qui va s'occuper du bébé, après? C'est pas ma sœur, hein. Et le Pérou, c'est pas centré. Le plan Pérou. Et quand on crame tout et on se casse au Pérou. On envoie tout le monde à la garderie, on s'en fout. Oh non, mais je croyais qu'elle partait pas au boulot. Qu'est-ce qu'elle fait? Petroni. Fait augmenter sa notoriété, gagnera de l'argent. Il n'y aura aucun changement dans la vie. Je vais demander à Grégory. Non, mais non! Cette fille n'a rien compris. Cette fille n'a strictement rien compris. Et toi, tu vas pas à l'école, non? Y a pas d'école? Ah bah non, on est samedi. Ah merde, bah voilà, bah c'est bien, j'ai mes deux gamins, mais je peux rien faire avec eux. Oh yes, on est contents!
ça commence trop trop bien. Faut juste un mec soigné. Bah ouais, bah déjà, faudrait trouver un mec. Et pour le moment, trouver un mec, c'est plutôt compliqué. Bah écoute, devoir pas commencer. J'ai personne à la maison, j'ai pas d'adultes. Comment ça se fait qu'on me les laisse, eux? Pourquoi ils partent pas à la garderie? Bon bah, va faire tes devoirs. On peut pas la faire revenir du boulot? Non, ça craint. Elle devrait trouver un mec facilement avec ses yeux revolvers. J'arrête mon chantage. Ouais. À la pêche, bah ouais, bah non, pas à la pêche. Hein. Quoi, à la pêche? Tu veux qu'ils aillent pêcher, mes enfants, c'est ça? Bah, ils partent pas à la garderie quand il n'y a plus d'adultes. Bah si, en fait, c'est les petits, ils sont partis à la garderie. Mais pas les moyens. Ou alors j'ai bugué, totalement bugué. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ma radio est cassée. Si, avec ma radio, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas que la radio. Et j'ai personne pour réparer, puisque les gamins ne réparent pas. J'ai demandé à elle de pas aller travailler, mais elle est partie travailler. On ne m'écoute jamais. Envoiler en repérage pour maman. Mmh, excellente idée. Excellente idée. Vous avez fini vos devoirs? Ok, les gars, on se casse. Non, ils n'ont pas fini. Bon, on finit les devoirs, alors. Et après, on se casse. On va les draguer. Bonsoir, Katharina. Oui, j'ai pas mes bambins. Je vais pas me plaindre. C'est vrai. C'est bon? Fini? Fini? Ok, terminé, terminé. Allons-y. J'en emmène un ou j'en emmène deux? Je sais pas. On va au bar. Vous êtes trop jeunes pour aller au bar, les enfants. Mais non, vous inquiétez pas. On est en âge de sortir. Je viens de finir de laver mon chien avec la neige qui a fondu. Il a de la boue partout dehors. Ah oui, bah c'est dommage. Du coup, je sais pas s'il est vraiment lavé. Ah, quoique, bah non, si tu l'as lavé, forcément. Furoncle vous verra là-bas. Oui, bah il est même là. Alors, trouvons un mec. Non, trop vieux. Bonjour toi. Oh, amical. Présentation amicale. Ah non, lui, c'est celui de Kimoro Roebi. Je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce qu'il n'y a pas d'enneigé? Et en fait, je crois pas du tout qu'il soit... C'est quoi qu'il doit être? Soigné. Non, il est plutôt aventureux et actif. Il va vraiment royalement se faire chier chez nous. Discuter avec lui. Bonjour monsieur, nous cherchons quelqu'un pour notre maman. Et en marque, on peut prendre aussi une fille. Hein. Saori, merci pour ton deuxième mois d'abonnement. C'est très gentil, merci beaucoup. Des subs. Oh, attendez, une autre proie. Se moquer de la gêne. Présentation amicale. Tu es qui, toi? On veut parler avec toi. Alors, toi, tu parles avec lui. Amicale. Présentation amicale. Et moi, je parle avec celui-là. Lui, il est plus vieux. Parler de l'école. Reviens, reviens. Ah, non, il est vénère. Casse-toi. Ok, on veut pas te voir. Et toi, tu me parles ou pas? Pas vraiment, hein. Jeune adulte, on sait pas grand-chose. Demander de passer du temps ensemble, pas trop, non. Déjà, on aimerait juste faire connaissance. Faire connaissance. Je voudrais une touche spéciale, faire connaissance. Une où on clique et tac, ça fait tout de suite connaissance. Faire connaissance. Bonsoir. Et merci encore pour ton abonnement. Deuxième mois. Tout va bien, les gosses au bar pour draguer sans parents, c'est clair. D'ailleurs, au bar, y a-t-il quelqu'un d'autre? Non, toi, t'es trop vieux, on l'a déjà dit. Ici, il n'y a rien. Oh, un jeune adulte encore. Alors, tu m'as donné tes traits, toi? Mais il me donne rien comme traits, hein. Ça y est, ils ont bugué. Ok, bah toi, viens voir celui-là. Amical, présentation amicale. Je le sens bien, lui. Je le sens presque bien. Pas mal, bien. Ça peut le faire. Allez, viens. Bonjour. Viens chez nous. On va te présenter quelqu'un, tu verras, elle est trop gentille. Amicale. En plus, il est en geôleur. Tranquille, hein, c'est qu'une gamine. Vas-y doucement, s'il te plaît. Je veux faire connaissance. Dis-moi toute ta vie. On veut tout savoir. Surtout si tu es à peu près soignée, ça serait cool. Et un peu bricoleur. Ça doit lui faire bizarre quand même. Comme ça, dans la rue, il rencontre une petite gamine qui lui pose autant de questions. Il est crasseux. C'est pas du tout ce qu'on cherche. Quoi qu'après, s'il est crasseux, bah non, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Mince alors.
Est-ce que j'ai la poisse? Oui, comme toujours. Parler de l'école, il est saoulé. Ok, bah sois pas saoulé quand même. Ah non, bah non, ils sont même plus copains. Bah on est vraiment pas doués, hein, faut dire ce qu'il y a, hein. Bah, pour le moment, on sait pas avec qui ça va continuer, puisque justement, on veut découvrir la tête des enfants. Mais pour le moment, j'ai envie de dire, il y a rien qui va comme c'était prévu. C'était pas prévu comme ça. Normalement, on devait être avec la mère, draguer, se trouver un mec, ou encore avoir notre mari, Philippe, mais Philippe est parti. Philippe nous a quittés. Lui, il veut pas du tout nous parler. Toi, t'es trop vieux. C'est un montant. Avec le trait observateur dans les récompenses d'aspiration, tu sais tout sur les Sims. Ah ouais. Mais alors par contre, les aspirations, pour le moment, je suis pas sûre qu'on ait beaucoup de points. Ah, 1800. Mais du coup, je sais même pas à combien il est ce trait. Boutique des récompenses. C'est quoi que tu m'as dit? Observateur. Oh oui, on va pouvoir le prendre, mais avec maman. Maman, elle va être très observatrice. Bon, bah les enfants, écoutez, c'est un fiasco. Vous pouvez rentrer à la maison. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. On va essayer de pécho dans la rue. Mais pour le moment, il n'y a personne. Ils peuvent même pas s'occuper du jardin, en plus, eux. Bah oui, bah non, ça aussi, c'est pété. Ok, super. Super. Prends le crasseux, à force de faire le ménage, il deviendra peut-être soigneux. C'est beau de rêver. Bah, vous pourriez marcher un tout petit peu plus vite, hein. Ah non, c'est vrai, ils sont tout tristes. Maman, elle rentre à quelle heure? Jusqu'à 17h. Bon, ça va aller vite. On s'en fout de Philippe, c'était le seul intérêt. Bah oui, mais c'était un gros intérêt, Aurélie, c'est ça le problème. On s'en fout. Moi, je m'en fous pas. Là, tu vois, j'ai vraiment besoin de lui. Tu veux qu'ils aillent au bénévolat? Mais pourquoi faire? Ils auraient pu, ouais. Je suis le live et en même temps, je tricote un peu, donc je ne vais pas beaucoup écrire pour l'instant. Ah bah oui. Concentre-toi, tricote bien. Nous, on reste là, t'inquiète. Bah, on va refaire, envoyer à la garderie de nouveau. Merci, hop, les enfants sont repartis. Il n'y a pas d'électricité ou c'est parce que... Ah bah non, on n'est pas dans la maison. Bah, va ici, je sais pas. Allez, maman arrive dans une heure. Pleurez pas. Qu'est-ce que tu pourrais faire, toi? Se faire un meilleur ami pour la vie? Bah, parle avec ta sœur. Demander conseil. Attends, viens, viens. Consoler à propos de la mort. Oh, ça, c'est mignon. Ils vont se consoler. Pas d'intérêt, on veut du flouze. Il y en a, ils vont directement. Oui, pour passer le temps, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, comme ça, on n'aurait pas attendu. C'est pas faux. C'est pas faux, surtout que là, je suis en train de jouer, mais je les regarde pas du tout. Et toi aussi, essaye de le consoler. Accusé d'être la cause de la mauvaise humeur. Oh, quand même pas. Et des fois, c'est pas très joli, hein. C'est pas très gentil, surtout. Se disputer à propos des disputes. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué là-dessus, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Non. Ah non, j'ai cru que c'était maman qui arrivait. Mais non, raté. Toujours pas. Et maintenant, c'est elle. Oui, allez, oui. Non, non, et ben ils vont repartir à la garderie, voyez-vous, parce que nous, on se casse. De nouveau. Aller au bar. Attendez, là c'est Oliver. Tout à l'heure vous m'avez dit Olivier. C'est les mêmes personnes ou c'est pas les mêmes personnes? Oliver, Olivier, Olivier, Oliver. Coucou Elti, coucou Léa. Ça fait un petit moment que j'avais pas vu la petite famille de moche. Oui. Oui, il y a le robinet qui est cassé, il y a la chenille qui est cassée. Il y a mes enfants aussi qui sont cassés. J'ai commencé un Génération Leader l'autre jour en regardant un de tes lives et ce soir j'ai commencé la place du marché. Et t'as commencé la place du marché en regardant aussi un de mes lives? Bah écoute, c'est bien, hein, si ça te donne des idées au moins, comme ça tu t'ennuies pas. Oh, parfait, présentation amicale. Après tout, franchement, je me dis, crasseux. Viens, 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 je te parle. Alors, bah les traits, oui c'est bien, on peut avoir les traits. C'est surtout qu'il est enjôleur, c'est ça moi qui m'intéresse. Hop là, bonjour. Elle va pas bien, c'est pas grave. Illuminer la journée. Et en plus, je pue, c'est pas grave. Pourquoi tu m'aimes pas déjà? Faire connaissance. Pourquoi tu m'aimes pas?
Alors lui, par contre, ma tête lui revient pas du tout, hein. Il doit être vraiment pas sympa. Je crois qu'il est vraiment pas sympa, en fait. Elle est où? Observateur. Ah ouais, mais c'est trop tard, je crois. Machine à danser. Je crois que c'est trop tard, hein. Parce que maintenant que j'ai commencé, bah, je vais pas tout avoir d'un coup. Je vais le flatter. Parce que t'es moche. Ouais, c'est ce que je me suis dit, hein. Ma tête lui revient pas du tout. Il se casse. Il se casse. Il se casse. Il est pas prêt du tout à venir avec moi. Hein. Plus de choix. Action. Ajoutez la bande. Dites-moi pas que c'est trop tard. Si, c'est trop tard. Bah, c'est pas grave, on va l'appeler, hein. Encore un mec superficiel. Ouais, carrément. Je suis tout à fait d'accord. Franchement. Tetsu. Invité. Allez, viens me voir, s'il te plaît. Tu sais pas ce que tu rates. Je suis sûre que, en y réfléchissant bien, tu vas kiffer. Je te jure. Une machine à danser. Oh, c'est lui? Non, c'est pas lui. Ou alors toi, alors. Présentation chaleureuse. Je m'en fous. Je prends ce qui passe. Le premier. Le premier qui m'accepte aussi. Allez, s'il te plaît. Amateur, snob, créatif. Ok, je prends tout. J'adore. Faire connaissance. Viens, je vais te parler un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire? Lui illuminer sa journée. Il est créatif. Il s'en fout complètement de ce que je vais lui dire, mais... Si, théorie des couleurs. Si tu es créatif, tu vas adorer. Viens, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est où? Mais lève-toi, lève-toi, ma cocotte, s'il te plaît. Viens. Viens lui faire du charme. Le seul truc qu'on lui demande, c'est qu'il meure pas trop vite. Et je pense qu'il est déjà bien adulte. Ça se trouve, il va vieillir devant nous, là, tout de suite, maintenant. Tout ça pour une boniche. Ouais, tout ça pour une boniche, mais on a vraiment besoin. T'as vu la maison? C'est pas gérable. Flatté. Mais pourquoi tu... Tout le monde se casse. Ah, il fait partie de ma bande. Je vais les emmener à la maison. Allez ici, rentrez à la maison avec... Non, pas avec les deux, je vais rentrer qu'avec lui. Oui, je me doute qu'en plus je dois pas... En plus d'être moche, je pue un peu. C'est vrai. Mais attendez, ça va, ça passe. Elle est gentille, mais elle est moche. Moi, je suis... Voilà, je suis moche. Complimenter la tenue, viens ici, tu restes là, t'en vas pas, je dois y aller, c'est très sympa. Non, mais pas du tout, mais... C'est quoi cette nouvelle maladie, là? Reste ici. Comment je fais pour qu'il habite avec moi? Je lui demande ou dirais que je le mets dans ma famille? Et qu'est-ce qu'on fait? Faut vraiment qu'il soit... Très copain-copain, faut qu'il soit amoureux, faut qu'il fasse crac-crac ou on s'en fout, c'est juste un ami. Non, faut qu'il fasse crac-crac, j'imagine. Discuter de la théorie des couleurs, c'est ça que je voulais dire. J'ai l'impression que peu importe le challenge, l'activité principale, c'est de se retrouver un mec. Les bambins, ils deviennent enfants dans 2 jours. Bientôt, là. Alors, je sais pas quoi faire. Copain, ça suffit. Après, pour dormir ensemble, c'est amoureux. Ah oui, je suis obligée de le... Bah oui, sinon, il va pas dormir avec moi. Attendez. Elle veut pas du tout. Bon, bah, écoute, vas-y, occupe-toi de tout ça. Je vais lui donner les clés de chez moi. Il va peut-être passer plus souvent. C'est où? Ah, on m'a dit aussi, il faut que je baisse mon thermostat. Je ne peux pas tout faire, les gars. Je ne trouve pas du tout. Parce que ça n'existe pas du tout. C'est pas possible. Conversation profonde. Je baisse mon thermostat. Voilà, désactivé. Et ensuite, est-ce qu'on peut pas lui demander, s'il te plaît, tu veux pas réparer? Ou alors je me paye un réparateur. Ou tu veux pas aller dans mon jardin? Je me paye un jardinier, je sais pas. Il y a Mocheline qui est venue me voir. Oui, mais alors Mocheline, elle a un mec, donc elle ferait bien de s'occuper de son mec, parce que moi, j'aimerais bien en avoir un.
raconter une histoire délicieuse. Ah oui, attendez, j'ai oublié. Mince, en plus, c'est tout con. À chaque fois, j'y pense pas. Prendre une photo avec. Allez, dis à Thierry, on y va. Une petite photo ensemble et après, tu vas devenir mon meilleur ami. Mais bon, ben, ils sont en train de se gérer tout seuls. Je sais pas du tout ce qu'ils font. Il est mal à l'aise. Regardez-moi ça, en plus, il a un super sourire. Allez, et après, je les vends. Oui, trop beau. Et après, je pue. Ok, donc je pue, j'ai faim. C'est pas grave, j'ai commencé avec lui. Il faut que je m'occupe d'elle, ça va pas du tout. Comment vous dire que je pensais embrasser le baiser? Quoi? Il y avait déjà embrassé et le baiser? Ah, c'est des commandes. Ah, d'accord, ok. J'étais en train de me dire, ça y est, il y avait déjà l'action, mais non. Oh, tu sais, j'ai envie de popo, moi. Tu veux pas me laver, s'il te plaît? Ben. Ah non, mais pas maman. Oui, ben, je le connais pas, donc je pourrais pas faire le bain. Bon, bah, écoutez, je peux faire le pot? Non, je ne peux pas faire le pot. Super. Rien ne va. Allez sur le pot. Oui, toi, tu peux y aller. Vas-y. Très, très bien. Maman est très fière de toi. Tu es une grande fille, ma chérie. Les deux autres, ils sont partis se coucher. C'est bien. On est fiers de vous aussi. Bien, non, on va pas pleurer ton père. Va dormir. Pourquoi j'ai ça devant? Je vois rien. Thomas Rie, bonsoir et merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Oui, j'ai un Riched, le Siamese. C'est votre ultime bafouille? J'ai pas du tout bafouillé, j'ai bien parlé, je ne bafouille pas. Non. Alors dans la vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Je sais pas comment faire. Oh, on s'entend bien maintenant. Et si je tentais quelque chose? Je sais pas s'il va être open. Oh, bah attendez, maintenant je peux lui donner les clés de la résidence déjà. Je vais lui donner les clés. Viens ici, dépêche-toi. Ah non, elle est en train de faire pipi. Ok, fais pipi, te lave pas les mains, c'est pas grave, il a rien vu. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de Covid ici. On a le droit de pas se laver les mains. Oula! Ok, elle a fait pipi toute seule. Bravo, flattée. Ensuite, maintenant qu'on a fait des photos, tu veux peut-être que je te les demande? Je te les demande. Je te les montre. Allez, partagez des photos. Voilà, partagez des photos. Et ensuite, est-ce que je tente ou pas? C'est peut-être un peu tôt. Ah oui, l'état de sauvegarder. Ah, j'entends pas moi par contre les... Ah oui, c'est sauvegarder. Attendez, j'ai baissé trop mon son, du coup j'entends pas moi. Je vais remonter mon son. Légèrement. Comme ça j'entends encore plus les bombas, c'est bien. Oui, je sais, t'es très sale. C'est un problème. Bon, allez, devant la fille, c'est pas grave. Compliment déprimant, on va tenter. Ça va jamais passer. Réceptif. Par contre, ma petite chérie, si tu pouvais juste dégager légèrement, raconter des ragots. Ouais, c'est génial. En auto, on va essayer de flirter. Oui? Bah écoute, je sais pas, déclenche un truc, je sais pas, la barre rose, elle est où là? Une petite barre rose. Ouh. Ça fait peur, il n'y a pas de barre rose. Je sens le recalage en toute... Ah, d'accord, il m'a coupé le son. En fait, il m'a éteint. Il m'a dit merci, au revoir. D'où tu te casses comme ça? Illuminer la journée. Reviens ici, chérie, t'as commencé à flirter avec moi, maintenant t'assumes. Hein. Ah, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Mais il n'y a pas moyen. Ah, ça y est, c'est bon, il y a une petite barre rose. Ça va chier. Ah, je sais pas, si, non. Non, quand même pas, mais... Ah, ils viennent de devenir bon ami. Ah, oui. J'ai besoin de divertissement, vois-tu beaucoup.
Vois-tu pas beaucoup? Oui, je sais, les enfants, vous puez. Attendez, j'essaye de vous embaucher une boniche, alors, 2 secondes. Iiii, reviens ici. Complimenté, il m'a recalé ou pas encore? Par contre, t'as commencé... Bon, écoute, à un moment donné, faut savoir que dans la vie, tu peux pas rester tout le temps avec maman. Va-t'en. Tu n'as pas besoin qu'il soit amoureux pour qu'il rejoigne le foyer. Bah non, mais c'est ce que je demandais, mais en même temps, vu qu'il faut qu'il dorme dans le même lit que moi, et bah, il faudrait peut-être qu'on soit peut-être un petit peu amoureux quand même. Voilà. Et là, pour le moment... Complimenté. Allez, s'il te plaît, passe à l'action, là. Je veux qu'il y ait un crac-crac avant. On va le recomplimenter, il va m'envoyer Bukage. Eh oui, il m'envoie Bukage. Et si on faisait l'amour tout nu? Non, je crois que là pour le moment, il faut qu'on abandonne légèrement. Par contre, tu vas pas bouffer ma salade, c'est moi qui vais la manger. Et on se revoit un peu plus tard. Ça va pas du tout. Oh, attends, viens, on va regarder un film ou regarder... voilà, ça. Non mais viens avec moi. J'aimerais bien que tu viennes avec moi. Non, fais pas ça. Non, pas du tout. En fait, tu fais partie de ma bande. Non, c'est pas ça. Action. Vous formez une bande avec toi. Et tous les deux, on va regarder ça. Viens avec moi. Faire du zapping ensemble. Non, regarder la chaîne. Pourquoi il veut pas regarder la chaîne avec moi? Je veux que tu regardes la chaîne avec moi. Il a le temps de partir, le temps que je trouve, hein. Bon, regardez la télé, alors. Okay, pourquoi il n'y a pas juste là? Parce qu'elle est déjà en train de regarder, en fait. Bon, bah, je vais m'asseoir. La boniche sur le canapé. Pour le moment, il n'est pas sur le canapé, hein. Je veux pas dire, mais draguer alors qu'elle est triste... Ouais, non, je sais que c'est pas le bon plan, mais tu vois, c'est qu'on n'a pas le temps. Divertissement. Lui, il veut pas, il est pas prêt, il est pas open, et j'ai pas fait mes peintures, mes enfants, ils puent, mon jardin, il est défraîchi, rien ne va plus. Et elle, elle est... Ça y est. Elle est open. Premier baiser. Oui. Allez, viens, t'as rien compris à l'histoire. Oh putain, c'est passé. Parce que pendant 2 secondes, j'ai eu un petit peu peur. Oui. Grave. Premier. Et maintenant, peut-être que... Non. Tu veux pas... Dans le principe, normalement, il y a d'autres actions, non, que de faire ça, là. Bon, bah non. Oh, ils se font un câlin sans moi. Bah oui, hein. Embrasser les mains. Amour. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Prendre une pose sexy? Regarde-moi bien, je suis très très belle. Ou pas, ça dépend. Allez. Regarde, tu peux pas résister. Embrasser encore. Essayer de faire un bébé dans la douche. Ok, bon d'accord, la douche. Non, mais non, pas de... Non, 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 pas de bébé. C'est pas du tout ça qu'on doit faire. Attends. Faire crac-crac. Allez, faites crac-crac, une bonne fois pour toutes, ça va te divertir. Non, elle ne veut pas. Il est en train de vider les pots, quand même. Eh bah écoutez, on va lui demander de vivre avec nous. Comment on fait? Pourquoi j'ai déjà oublié? T'as oublié de sauvegarder? Oui, je vais le faire. Demandez de rejoindre le foyer. Rejoins le foyer, s'il te plaît, 5052. Rejoins le foyer, s'il te plaît. Et tant pis pour toi, t'auras pas eu de crac-crac. C'est tout ce que tu mérites. Bonsoir Emma. Et après, on est tranquille. Ok. Ah. Eh bah écoute, tu viens. Mais nous, on veut pas de tes 20 000. Ah, je peux pas le repasser de l'autre côté. Ah si, c'est bon. Trop bien, on a laissé 20 000 dans la maison. C'est pas grave, les gars. Alors, tu sais quoi? Moi, maintenant, je vais me coucher. Par contre, toi, mon chéri, t'es pas prêt de dormir. Au boulot. Allez, tu me répares ça. Tu me répares ça. Non, non, on arrête de causer. T'y as cru, hein?
t'es proposé, t'as pas voulu, t'étais pas OP, tant pis pour toi. Maintenant, bouge. Oui, une bonne niche. Merci Virginie pour les 100 bits. Oui, c'est ça, trop bien, ça y est. Ah, j'ai galéré, mais je l'ai eu. Hein. Ouh, ce piège, ouais, vous avez vu un peu, t'es puni, voilà. Non, mais c'est clair, il a été réticent, il l'a regardé bizarrement au premier abord. Eh ben voilà, tiens, tu sais pas ce que t'as perdu. T'aurais mieux fait de te taire et d'être heureux, fier et de venir. Il a un travail. Oh là là. Non, il a pas de travail, c'est une feignasse, il est chômeur. Et il veut devenir sorcier. Bah écoute, apprends des sorts comme tu veux. Le premier sort, ça serait celui de te retenir. Ensuite, tu vas me jeter ça. Mais tu vas nettoyer. Hop, nettoie. Et ensuite, tu vas venir tout désherber aussi. Oh! Tout désherbé. Oh, c'est bien, c'est l'été. Mais t'as des points de compétence, toi? Attendez. Bah non, pas du tout. Comment ça se fait qu'il peut... Qu'il peut tout vendre? J'espère que tu as profité de ta vie d'avant, parce que là, c'est la mort. C'est clair, Lessa. Merci pour les 100 bits aussi. Mais tout à fait. Il va mourir ici, de toute manière, c'est tout ce qu'il lui reste à faire. Ah, en plus, il est sorcier. Mais non. As-tu une moindre connaissance? Non, il doit rien connaître. Rien du tout. Bon, par contre, je pense qu'il va se faire pipi dessus, il y a de grandes chances. Vu ce qu'il y a à faire dans le jardin, je pense qu'il y a de grandes chances. Est-ce qu'il reste à manger? Je ne sais pas, de toute manière, on s'en fout parce que les gamins, ils arrêtent. Parce que les gamins, ils arrêtent pas de se servir que des cochonneries. Ah si, 3 salades. Ah bah oui, quand même, et même du gâteau. Il y a du gâteau, mais ils le prennent même pas, ils s'en foutent. Bon, bah c'est bien. On est dimanche. Ah, mais tranquille, ils vont pas travailler. Ils vont pas travailler, bah ils vont pas à l'école surtout. Alors mangez bien, toi quand t'auras fini, tu iras... Non, c'est surtout toi en fait que tu iras. Tu iras te prendre une petite douche. Il faudra nettoyer ça aussi, les amis. Et ensuite, t'as besoin de te divertir et toi, t'as besoin social. Éventuellement, parle avec le gros nounours. Raconter une histoire. J'ai oublié mes bambins. J'ai très très oublié mes bambins. Oui. On va vous nourrir. Vous inquiétez pas. Petite salade. Viens ici. FBI, fausse bonne idée. Non, mais pourquoi tu vas prendre l'autre truc? Laisse. C'est à ta sœur. Attendez, qui n'a pas... Besoin, c'est où les besoins? T'as pas fini de manger? Oh, l'a laissé à sa sœur, c'est trop mignon. Mais... Mange. Elle nettoie, parfait. Retourne nettoyer ensuite. Et toi, lève-toi parce que t'as très faim aussi. Tu dormiras plus tard. Je pense qu'on arrive... Qu'on arrive à les remettre un petit peu... à peu près en forme. C'est une impression peut-être, je sais pas. Pustule, ma petite pustule. T'as une assiette juste devant toi. Non. Mais laisse donc les biscuits... Mais laissez les biscuits à votre sœur. Ils veulent tous lui piquer son assiette, la pauvre. Hop, on y retourne. Ça là. Ok, ça c'est bon, ça se gère. Ça c'est bon, ça se gère. Lui, il va venir jouer. Toi, une fois que t'auras fini, tu pourras... Tu pourras enfin nettoyer. Toi, j'espère que tu t'en sors, mais pas du tout. Et maman, elle est censée partir au boulot. Bah, tu vas y aller. Très bien. Ah, ils sont tristes. Bah ouais, ils sont tristes. Ils ont perdu Philippe. Mais ils sont contents. Ils ont retrouvé... Je sais même pas. Thierry. Oh, Thierry. Enchanté, Thierry. Ils sont contents. Ils ont retrouvé Thierry et tout va bien. T'as débarrassé? Non, pas du tout. On nettoie, on va faire un petit pipi, et toi tu es très créative, et bah tu vas aller faire 2 dessins en étant inspirée. Pas du tout. Mais déjà tu feras 2 dessins, après on verra. Dessiner, des formes. Très bien. Mais c'est ça que je t'ai demandé de faire. Ok, on abandonne le jardin 2 secondes et on vient laver une petite là. Donner un bain à Fertiligène. Tu. Ouais, viens voir Fertiligène, s'il te plaît. Oh putain! Oh la tristesse intense! C'est clair! Ah, j'ai oublié!
C'est vrai, il avait envie de faire pipi, le pauvre. Ça va aller. Tu iras toujours mieux que... Ah oui, il s'en remet pas, le pauvre. Non, mais... Oh non. Je sais même plus comment tu t'appelles, je voulais t'appeler Gaston, mais non, c'est Furoncle. Mon petit Furoncle. Sois pas triste. Joue avec lui. Voilà, joue. Ça va aller. Il me fait mal au cœur. Se renseigner sur l'hibernation et se renseigner sur le passé. Je crois qu'il va pas très très bien. On va le laisser tranquille. Laissons-le. Vous en faites pas, il va gérer. Ça va aller. Maman, ça va pas du tout. Hop, on y va, parce que j'ai dit d'aller au boulot quand même. Au fait, à quoi ressemble le bébé de Mocheline? On avait été la voir, hein? Non, on l'avait pas vu. On l'avait vu, on l'avait pas vu. On a été voir. Je sais même plus, elle était Bambine. Ah non, c'était Louise. Oui, on avait été la voir. Mais je crois qu'elle était Mimi. Un canon. Ouais, je crois qu'elle était Mimi. Alors, je sais pas si c'est un alien, mais par contre, c'est un sorcier. Attends, maintenant que tu me dis ça, je sais pas c'est quoi le truc qu'il y a au-dessus. C'est le truc de sorcier, ça? Mais non, pas du tout. C'est quoi ce truc? Je sais pas. Non, pas sorcier. Il a juste envie de devenir sorcier. D'accord? Donc en fait, ça c'est quoi? C'est pas vampire, hein? Ah bah écoute, bah oui, c'est peut-être un alien. C'est pas grave. Tout va bien. Toi, tu viens de faire prout, je t'ai vu. D'ailleurs, toi, bah tout va bien, t'es propre. T'as plus envie parce que maintenant t'as fait. Toi aussi, c'est parti. Ok, bah une fois que t'as fait pipi, on y retourne. Donnez un bain. C'est laquelle que j'ai pas lavé? C'est Pustule. Un petit coup de nettoyage à Pustule. C'est alien, hein, bah ouais. C'est pas sorcier. Non, c'est pas sorcier, Jamie. Oui, je vais regarder dans le casque, mais là, je suis trop concentrée, tu vois, c'est... On est concentrée. On veut pas perdre un seul enfant. Philippe, j'ai entendu parler de ta récente amitié avec Kerry. Tu promets, je te trompe pas. Tu resteras mon seul et unique amour. Ce n'est qu'une boniche. Tout comme toi, tu l'étais, mais je t'ai un peu plus aimée. Oui, après tout, il m'a quand même donné 4 enfants. C'est beau. Si t'as fini, tu peux me débarrasser parce que de toute manière, c'est moche ce que t'as fait. Et tant autre chose. Allez, dessine. Laisse ta sœur. Je sais pas ce qu'elle veut, ta sœur. Ah, c'est elle qui arrive. Qu'est-ce que tu veux faire? Parler. Bon, bah, écoute, parle. En même temps, tu viens de monter, donc ça t'a fait monter. Enfin, ça t'a fait monter. Ça t'a fait surtout... Faites ce que vous voulez de la fin de la phrase. Je sais plus. Et toi, ça y est. Ensuite, à l'attaque. Voilà, très très bien. Et on y retourne. On désherbe tout. Oh non, non, oh non, 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 non. Attends, 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 attends. Avant de désherber, non, on va tout arroser. Arroser. Dépêche-toi. Viens ici. Je voudrais pas que mes arbres ils meurent. Hein. Discussion animée, ignorer l'artiste. On ignore. On ignore, on ignore. Bon, on s'en fout aussi. Et ensuite, on va faire tout vendre. Et ensuite, on va faire tout désherber. Moi, c'est bon, on le revoit pas de la journée. Ça se trouve, on le revoit même pas du live. Bon, bah, plus tard, salut. Style de vie atteinte. Je sais pas c'est quel style de vie, mais ça doit être celui de Boniche, non? Oh, le pauvre, il va peut-être mourir de faim ou de sommeil. C'est possible. En même temps, si c'est un extraterrestre, est-ce qu'il craint beaucoup de choses? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Ah, style de vie, c'est où ça? C'est là? Ouf. Style de vie. Il a débloqué quoi? Non, il a rien débloqué, il s'en fout. C'est ça. Boniche. Un alien sorcier? Sérieux? Tu cumules. Mais non, mais il est pas du tout alien. Il rêve. Ah non, il a abandonné. Non, 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 non. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu reviens ici. Ah bah si, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Bon bah, non, non, d'accord, j'ai compris. Dors. Bon, tu me fais un petit peu chier, mais dors. Les enfants, est-ce que vous êtes capables de nettoyer? Non, pas du tout. Laver?
Pardon ? Je suis pas au courant. On peut laver sa petite sœur dans l'évier ? C'est nouveau ? Hein ? Tu vas la laver ? Mais qu'est-ce que c'est que ce beans ? C'est venu avec la mage ? Mais non ! Mais attendez ! Mais elle porte sa sœur déjà, regardez ! Ah mais non ! Excellent ! Enfin, elle fait grosse la petite à côté. Qu'est-ce donc cette diablerie ? Je sais pas si ça marche. Attendez, j'en ai un autre. Laver. Elle va jamais rentrer dedans. Mais non. C'est pas grave, allez. En dessous. Ça c'est dit, c'est ça craint. Y'a quelqu'un qui l'a déjà fait ? Mais j'avais jamais vu ça, moi. Non, c'est par là. Tu t'es trompé. Trompé, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Y'a quelqu'un dans le lit. Oh là, oula, oula. Ok, on arrête de jouer. Regardez, j'ai mon lit bug aussi. Bon, bah écoutez, je ne sais pas du tout si c'est censé fonctionner. Mais en tout cas, là, ça n'a pas fonctionné. C'est à tester, écoutez, hein. On verra bien. Divertissement. Oh, attends. Réveillé. Hop, viens là, toi. Bah du coup, ma chérie, je suis désolée, mais par contre, toi, ce que tu pourrais faire, vu que tu peux pas laver ta sœur, c'est te laver. Prends une douche. Et ensuite, t'iras aux toilettes. J'aurais bien voulu continuer à tester, mais les, franchement, là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Toi, t'as envie de dormir. Dors. C'est pas toi. Ah si, c'est toi, c'est bon. Et toi, t'as envie de dormir aussi et t'as envie de manger. Ben, dors. Ah, mais je veux absolument voir si ça marche. Attends, tu l'as réveillé ? Ok. Faire crac-crac. Pourquoi tu veux pas ? Pourquoi tu ne veux pas ? Pourquoi tu ne veux pas faire crac-crac ? Parce que tu es triste ? Mais pas du tout. Chanter une chanson du jour férié ? C'est pas ça ? Pourquoi elle avait... Ah, c'est la journée des farces. Ok. Ok, je comprends mieux. J'avais pas compris. Pourquoi Petroni est trop triste pour faire ça? Mais non. Et lui, il est trop mal à l'aise. Mais non. Oh, vous me fatiguez. Oh, il m'énerve, je vous jure. Oh, je serais choquée de voir cette gamine porter sa petite sœur. Mais non, mais déjà choquée qu'elle la porte. On furoncle la faim. Je sais, mais furoncle, il est chiant. Voilà, il va manger des chips. Très bien. En plus, il y a des salades. Mais ils prennent plus de salades. Mais j'ai plus rien qui va, là. Sortez de cet état. Bon, bah, dors. Et toi, dors aussi. Et toi, bah, dors aussi. Et toi, bah, mange et dors après. Allez, je couche tout le monde parce qu'il n'y a plus rien qui va. Je savais pour que les adultes lavent les bobins, mais pas les enfants. Mais dans un lavabo, tu savais ? C'est normal, c'est nouveau. Bah ouais, mais c'est nouveau. C'est vrai que du coup, c'est choquant. C'est pas une action. Oui, dans un lavabo. Ah bah je savais même pas dans un lavabo. C'est très bien en tout cas. Moi, je suis très contente parce que ça. Non. Mais non, mais va pas te noyer, te suicide pas. Ça va, la vie est belle. Hein. Va dormir, s'il te plaît. Ok, ton mec, il a pas voulu de toi, mais t'inquiète, ça va s'arranger. On va s'occuper de ça. Dépêche-toi. Rattrape tout le monde au dodo. J'ai cru que c'était un chevalet. Je me suis dit, il est tout petit. Non, c'est une guitare. J'avais oublié ce petit détail. D'ailleurs, j'ai découvert que, effectivement, j'avais pas du tout remarqué que celle qui m'a offert la guitare n'est autre que la femme, enfin, l'ex-femme à Philippe. Bah, tu peux pas y aller. Tu rigoles ou quoi? C'est ton mec. C'est ton mec. Dormir. Bon, bah, toi, par contre, t'y vas pas alors. Laisse tomber. Toi, tu te lèves.
T'as pas voulu faire crac-crac, tu vas aller dormir sur le canapé. Faire une sieste. Allez, viens ici. Ouais, j'avais pas vu. Non, mais non! Mais non, mais... Tu commences à me fatiguer. Reviens ici, dépêche-toi, dors. C'est moi, Thierry. Voudrais-tu aller à un rencard avec moi? T'es sûr que tu m'appelles? T'es chelou comme mec. Mais c'est quoi cette famille de ouf? Cette famille est ouf. C'est des oufs. C'est des fous. C'est dingue, j'essaye ce soir. Je t'avais pas vu, Nika. Ah oui, ça a changé un petit peu. T'as vu un peu? J'ai fait des efforts. J'ai essayé d'aménager un minimum. C'est bon, là, tout le monde dort? Qui es-tu? Que veux-tu? Non, ma chérie, s'il te plaît, reviens dans la journée. Allez, va-t'en. Va-t'en. Envoyer son domicile. Merci. Voilà. Ah, non, 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 non. Faut dormir. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est lui. Reviens là. Faire une sieste. C'est bientôt l'anniversaire de Pustule et Fertiligène. Oui, on le sait. Faire une sieste encore. Fais une sieste et fais-en une deuxième et fais-en une troisième et te relève pas. Je crois que le jeu n'est pas au courant qu'il fait partie du foyer. Mais non, mais je crois que personne n'est au courant d'ailleurs. Même lui, il n'est pas au courant. Je lui dis de dormir, il veut pas dormir. Ok. Voyons vérifier un truc. Comment ça? J'avais dit que les gars... Faut d'abord faire des dates. Donc oui, effectivement, je crois que nous avons déniché un petit extraterrestre. Mais bon, ça va, ça change pas grand-chose. Hein. Ça va le faire. Bah, juste qu'il reste bien dans sa tenue cachée, là. Petroni s'est fait enlever par les extraterrestres. Tu rigoles ou quoi? Non, c'est pas vrai. En chat? Il faut que je sois un chat pour apprendre ça. Mao. Lilouane, voilà. Mais non, je viens de me faire enlever par des extraterrestres. La musique dans le salon. Quand je vous dis que j'y arrive pas, la musique dans le salon. J'ai même pas vu. J'ai même pas vu. Ah oui. Oh, ma petite Petroni. Attendez. Oh merde. Oh, c'est con ça. Ah ouais, c'est con. Bah, au moins, eux, ils veulent d'elle, hein. Ma petite Petroni. Regardez-moi ça. Oh, que c'est beau. Allez. Téléphone. Maison. Bon, bah voilà, hein, ça c'est clair. Hein. C'est parce qu'elle séquestre un des leurs. Mais oui, ça se trouve, c'est à cause de ça. Oh, ils vont lui faire du mal. Je ne veux pas. Tu manges des petits pois. Alors, oui, ça, il faut éteindre, chérie, si tu veux dormir. Très bien. Ouais, je sais, t'es triste. Tu voulais aller voir ta famille. Bah, en fait, c'est Petroni qui est parti. Un repas de famille. Pourvu qu'il la bouffe pas, c'est tout ce qu'on leur demande. Pearl Gaming, bonsoir. Le karma, mec, tu m'étonnes. Ah, mais je vous dis, mais j'étais pas du tout partie dans un début de soirée comme ça. Pour moi, ça allait tout rouler. Il y avait anniversaire sur anniversaire et tout. C'était trop bien. Eh ben non, pas du tout. C'est pas ça qui se passe. C'est mort, galère, extraterrestre, enlèvement. Pas de crac-crac. Rien ne va. Bon. Fais une sieste. Quoi qu'il aurait pu prendre le lit maintenant. Petroni, tu es revenue ma chérie. Ah non, ah non, elle est pas revenue. Rendez-la moi, s'il vous plaît. Je tiens à elle. Tout va bien, elle va être encore de bonne humeur. Alors déjà elle était triste, alors maintenant... Oh là, il a bugué mon Sims, regardez là-bas. Il fait peur. Ah. Ah oui, là il est debout. Et là, il est allongé. Là, il est debout. Et là, il est allongé.
Ils vont avoir peur. Ils vont peut-être lui refaire la tronche avec un peu de chance. Bah non, attends, ils font pas de la chirurgie, eux. Non, mais par contre, ils vont peut-être vite la renvoyer chez elle. Ok, on comprend. Vas-y, rentre à la maison. 1h du matin, t'es sûr que c'est vraiment 1h pour se lever? 1h du matin. On prend des restes, alors. Attendez, c'est qui grandit, là? 1. 0. Ah non, c'est les petites d'abord. Ah oui, c'est même mieux que ça soit les petites d'abord. Oh non, elles sont trop mignonnes. Regardez-moi ça, j'adore et je pourrais rien faire. Toi aussi, t'as faim? Oui, elle aussi a la faim. Sors un plat, s'il te plaît, pour tout le monde. Ça, c'est fini. Oui, bien sûr. Hop. Non, juste un. Rendez. Ah, voilà, c'est bon. Et prends une portion. Toi aussi, t'as faim? Bien sûr. À 2h du matin, tout le monde debout. C'est parfait. Tout va bien. Toi aussi, t'as faim? Bon, écoute, tant que tu y es, viens te régler avec tout le monde, viens manger. Et tout ira bien. Nourris les bambins. T'es pas en train de faire du tricot? Ah. Ça te va bien, l'eyeliner, t'as vu ça? Des yeux de chat. Pustule à très fin, c'est bon, je suis en train de la nourrir. Je la nourris. C'est de toute beauté. Voilà, très bien. Et toi maintenant, t'as envie de faire pipi? C'est le bordel dans cette maison. Non, relève-toi du coup. Relève-toi, mon jardin n'est toujours pas fait, ça va pas du tout. Tout vendre ensuite. Allez, dépêche-toi. Ok. Et une de nourrie. Eh ben écoute, en attendant, on retourne dormir. Toi, t'as toujours pas fini. Tu vas faire ensuite un pipi et tu retournes dormir. Il y en a qu'une qui pionce. Bon d'accord, elle a été un petit peu enlevée par les extraterrestres. Il y en a qu'une qui pionce. Où tu vas? Fertiligène, reviens ici. Non, réveille pas maman. Mais certainement pas, puisque t'es en train de manger. Redescends. Ah. Non, mon jeu ne bug pas du tout. Mais décidément, mais qu'est-ce que vous avez? Vous voulez pas voir ma tête ce soir ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon jeu bug, tout bug. Je suis une schtroumpfette. C'est moi. Ça schtroumpfe. Oui, ça schtroumpfe trop bien. Non, schtroumpfe pas à l'étage, toi non plus. Descendez, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Mes bambins ont bugué. Mes bambins deviennent fous. Ça ne va pas du tout. Elle peut pas aller sur le pot. Toi, tu peux aller? Oui, aller sur le pot. Toi, du coup, bah, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je ne sais pas. Tu es où, toi? Ah, tu veux lire? Non, 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 non. Non, non. Je... Bah... Mon Dieu, cette tête. Oh, bah j'avais... Ah non, j'adore, ça marche pas. Cette fille. Aussi. C'est nul. Ah, je cligne d'un œil. Ah. C'est la fatigue, j'ai les yeux qui partent en couille. J'adore le schtroumpf. Rajoute un pot, non. Je sais même pas, regarde-moi ça, ils finissent pas, ils montent, je sais pas ce qu'ils font. Salade du jardin, lui, en fait, bah, il fait plus rien, voilà. Il est parti, il fait plus rien. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais, à un moment donné, désherber, s'il te plaît? Ok, c'est bon. Merci Tony. Tu m'aimes comme ça? C'est ça? C'est le schtroumpf toxico. C'est ça, c'est les yeux qui fatiguent. Grandissez pas sans moi, j'arrive, à un moment donné je vais venir. Il y a des salades partout. Mangez la salade. Toi, va au pipi. En fait, je veux faire des trucs et je fais jamais rien parce qu'il n'y a rien qui se passe comme je voudrais. Pourquoi tu es bloquée dans les escaliers, ma chérie? Toi aussi, va utiliser. Ok, bah c'est pas grave, je meurs les bambins, je peux plus rien faire pour elle. C'est mort. Je dirais que c'est foutu. Tout est foutu.
travaille dans 2 jours. Ah, super. Bon, ben, ça va nous aider. Du coup, bah maman, toi, finis ce que tu es en train de faire. C'est très bien. Et toi, tu vas lui cuisiner un gâteau. Oh, un gâteau au thé matcha. Voilà. Ou matcha. Tu es trop schtroumpf. C'est schtroumpfement gentil, tout ça. Oui, je te préfère comme ça. Ton arrosage... J'ai vu, Virginie, que l'arrosage automatique est cassé. Et il est cassé depuis un petit bout de temps. Mais je n'arrive pas... Je n'arrive même pas à lui faire ramasser ce que je voudrais qu'il ramasse. Hein, c'est le bazar. C'est mes filles qui ont fait ça, hein? C'est possible, hein? Du coup, bah, les bambines, on n'a rien fait avec elles, les pauvres. Mais elles étaient trop mignonnes. Interviens et défends ton avis. Et m'embête pas, s'il te plaît. Sentiment obtenu, cela me fait plaisir que tu ne trouves pas ringarde mes blagues sur les lamas. Et c'est pas une blague que tu viens de me faire. Tu viens de demander un conseil. Oui, alors, laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille 2 secondes. Pour une fois qu'elle est là, qu'elle peut faire quelque chose, tiens, viens parler à ta sœur. Enlacez tendrement. Et elle est où, l'autre? On en a perdu une. Au secours, m'aider. Pustule. Gudule, je sais plus. Fertiligène. Non, on joue pas dans les toilettes. Pas du tout. Oh, tiens. Toi, t'es costaud. Moi, s'ils sont partis à l'école? Bah. Ah oui, on est lundi. Ah, toi aussi, tu veux jouer dans les toilettes? Non, on joue pas dans les toilettes. C'est dommage, je voulais retenter de laver dans... Ouais, elle veut se laver. Je voulais justement tenter de les relaver dans le lavabo, mais... Bah écoute, on n'aura pas eu l'occasion. Oui, ça va, tranquille, hein, quand même. Avant de faire ça, tu vas surtout... Il est bon? Il est médiocre. C'est pas grave, personne va le manger, on s'en fout un peu. Tu vas le mettre là. Et c'est pas leur anniversaire tout de suite? Non, pas encore. Alors mets les bougies et ensuite on s'occupe d'autres choses. Ah bah oui, avec Philippe, c'était franchement moins le bordel. Hein. Là, franchement, il n'y a rien qui se passe. Ça va pas du tout. Elle n'arrive pas du tout à se divertir. Est-ce que je dois en laver une ou faire quelque chose? Attendez, les deux petites là, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien du tout. Ah si, je peux laver celle-ci. Avec la houppette au-dessus. Toi, viens là. Ah bah attends, je peux le faire ça aussi? Laver. Fertiligène. Comment tu fais pour la foutre là-dedans? Bah oui, ça marche pas, hein. Forcément ça marche pas. Oh, t'as rien lavé du tout. Bon bah, donner un bain de mousse à Fertiligène. Ça marche pas. Je suis dégoûtée. Oh, on va pas lui trouver comme excuse que parce qu'il est extraterrestre, il sait pas faire. Hein. Un peu facile. Allez, pousse-toi, laisse la place, sinon après ça va bugger. Regardez, il arrive à s'en sortir un petit peu. Bon, il galère beaucoup, mais presque, il s'en sort. Et on va tout vendre. Par contre, j'espère que j'ai pas perdu... Pourquoi j'en ai qui sont poussés et d'autres qui sont pas poussés? C'est encore le bug, hein. Ensuite, si tu peux me réparer ça, si tu arrives un jour. Lance, allez, c'est bien. On avance. Pas beaucoup, mais on avance. Stellou, merci pour ton follow. Bienvenue à toi. C'est presque bienvenue bon. Bienvenue pour ton follow. Oui, bienvenue pour ton follow. Oui, les enfants, ce sont tous ceux de mon héritière. Elle a eu la chance d'avoir 2 paires de jumeaux. Mais du coup, ah bah oui, c'est ça, c'était bien 2 jumeaux. Oui. Elle a eu un garçon, une fille au premier et 2 filles au deuxième. Et en plus, c'était pas le même père. Ah, c'est vrai que j'avais oublié ça. Elle est très fertile. C'est pour ça qu'elle a appelé sa fille Fertiligène. Le truc qui a rien à voir. Super. Bonne nuit, Coco. Oh, c'est décidément cette douce voix.
Je regarderai la suite en rediff. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi et bonne nuit, Coco. Anniversaire de Fertiligène, j'ai eu la notif. Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. C'est l'anniversaire. Oui, pas encore. Ah oui, non, mais c'est... Oui, ça y est. À Fertiligène, tu vas grandir. Allez, on y va, comme ça, il y aura moins de décalage. Ah non, elle est partie. Qu'est-ce qui se passe encore? Rien ne va. C'est pas... Franchement, c'est pas une boniche que j'ai besoin. C'est un ouvrier. Mais qu'est-ce que t'as? T'es ouf, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? En soi, j'ai pas la critiquer. Elle est en train de faire à manger. Elle fait à manger. Que et là, ça. C'est la guerre mondiale de 78. Fertiligène, ouais. Oh, et des factures, oui. Bon, tu t'en sors, toi, Léon, là, j'ai vraiment besoin de toi. As-tu tout arrosé? Oui, allez, ça a l'air bon. Hop, vite, payez les factures. Et ensuite, tu continues à réparer. Viens réparer ça. Mais tu me l'as pas du tout réparé, ce truc. Oh. Ah si. Mettre en marche. Non. Alors, arrêtez. Désactiver. Ok, activer. Non, je ne suis pas en train de faire mumu. J'essayais de comprendre comment ça fonctionnait. Et je crois que j'ai compris. Maman, elle est en train de jouer de la guitare maintenant qu'elle a fini de faire à manger. Et bah du coup, tu sais quoi? On va ouvrir et on va vite faire un anniversaire. Allez, fais-nous grandir. Même si je suis trop dégoûtée parce que franchement, elles sont trop mignonnes. Fertiligène, debout, ici, au pied. Et on fait souffler les bougies sur un gâteau qui a l'air tout à fait... Et répugnant, mais ne jugeons pas. Aider à souffler les bougies à Fertiligène. Ça y est, c'est bon, t'as fini? Range chat. Range chat. Tout jeter. Allez, on y va. Il est pas bien. Il est pas bien, le pauvre. Ça me fait mal au cœur. Apparemment, il va tout faire d'un coup, tu vois. Il est bien. Ah, toi aussi, t'as faim. T'inquiète, il y a du gâteau tout pourri. Ok, Edune, elle est curieuse et végétarienne. Non! Pourquoi? Pourquoi? On s'en fout, fait que de la salade en même temps, c'est pas grave, hein. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Bah, tu seras toujours créative. Voilà, on va rester sur le même trait. Très, très bien. Rajoute des bougies maintenant. Ajoutez des bougies d'anniversaire. Comment tu vas? Elle est déjà malade à peine elle a commencé. Quoi? Je t'ai demandé d'ajouter des bougies. Et arrêtez de me sortir 36 000 plats, là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Se donner des paroles d'encouragement? Ok, soit. Très bien. Tu me rajoutes des bougies, s'il te plaît. J'imagine que si... Ajoute des bougies, s'il te plaît. Merci. J'imagine que si on a annoncé Fertiligène, on a aussi annoncé Pustule, bien évidemment. Ma petite Pustule! Allez, viens ici, c'est à ton tour. Et maman, elle va t'aider à souffler les bougies. Souffler les bougies, Pustule! Je suis trop triste. Qui est Léon? Léon, c'est personne. C'est quand je sais plus le prénom de quelqu'un. Non, mais non, mais non, mais qu'est-ce que tu... Léon, j'ai les mêmes à la maison. Oh putain, t'as été chercher ça, quoi. C'est bien, Lilouane, t'as remarqué, hein. Spécialiste de la salade. Et ben en même temps, tu vois, c'est un côté utile. Au moins, comme ça, quand on a des végétariens, on est tranquille. Oui, dynamique. Elle sera solitaire. Rien ne m'aide dans cette histoire. Donc, je sais pas pourquoi j'ai dit t'étais créative, tu seras créative. Pas du tout, elle n'était pas créative du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ok, attention, Olivier a envoyé un cadeau à Pustule.
chanson la carioca. Yes, des traits parfaits. Merci, Liora. How do you? You're a bébé. Alors, attention. Ah, par contre, c'est des jumelles. Ça va? Ça va? C'est un laidron, mais tu es bien bonne. Laidron? Attends. Faisons de Fertiligène l'héritière. Ah, t'es à fond Fertiligène, toi? C'est vrai que... Mais c'est sa sourcil qui font la différence. Parce que sinon, je crois qu'elle a les mêmes yeux que sa sœur, hein. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, oui, elle est Mimi, hein. Elle est Mimi. Mais en attendant, de toute manière, tout à l'heure, on va aussi découvrir... Ah oui. Non, oui, c'est vrai qu'elle... J'ai beaucoup moins d'espoir avec Bertrude. Elle est moche. Elle est gentille, mais elle est moche. Voilà, c'est un peu ça. Par contre, on avait encore... Ah, j'ai l'impression qu'il a le même profil que les petites. Oh, attendez, il est même... Enfin, je sais pas, j'ai peur qu'elle soit moins bien que son frère. Parce que là, comme ça, ça passe à peu près, mais ça a l'air très aigu. Alors que lui, ça a l'air un peu plus délicat, tu vois, c'est des traits un peu plus doux. Déjà, il a une courbe de visage, tu vois, qui va plus un peu vers l'arrière. Elle est plus... Je pense que lui, il sera furoncle, il sera peut-être mieux. Mais il a une tête large. Je maintiens furoncle. Bah écoute, je sais pas. Eux, c'est dans combien de temps là? Ça y est, c'est bon. Hein. C'est dans... Ah, ça y est, j'ai encore oublié de relooker. J'oublie tout le temps. Les petites ont le visage aplati. Je suis pour furoncle. Furoncle contre Fertiligène. Je vote Fertiligène. Ouais, bah déjà, ado, ouais, faut voir. Mais ça va nous donner une idée, là, quand on va voir furoncle. Et donc, il grandit dans une journée. Et ben, on en saura beaucoup plus dans une journée. Voilà. Et on va commencer par, vite, s'occuper de soi, maintenant qu'on peut faire des choses tout seul. Ça, c'est génial. Toi, au lieu de boire, tu vas commencer par aller aux toilettes. Je veux absolument qu'il y ait quelqu'un qui lave ce truc. Lui, il est parti dormir. Il devrait, il a bien raison, en fait, c'est bien. Oh, merci Tony. Toi, t'es en train de manger et en même temps regarder la télé. Oui. Mais le gâteau, il est pas bon, alors c'est un peu dommage. Allez, moi, je range ça. Si, ça passe. Ça a l'air de lui faire plaisir. Je sais pas ce que ça va lui donner comme... Enfin... Le gâteau au thé, ça va lui donner une... C'est quoi ça? Je sais plus. Oh, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. On s'en fout. Une émotion ou un truc comme ça. Mais l'air climatisé. Ah oh, oui, c'est vrai. Je vois pas tout ça. Plus chaud, plus frais. Oui, ça coûte plus cher. Oui, ils sont rentrés de la maison. Très bien, on est content. Super content. Attendez, parce que là, ça va plus. Ça y est, je suis déjà perdue. Non, toi, tu nettoies pas ça. Toi, tu vas me faire des toiles. Fais une toile classique. Une grande toile classique. Ah, oui. J'étais en train de me dire, j'ai cru voir des bêtes. Bah oui, j'ai vu des bêtes, oui. Toi, tu joues pas de ça. Par contre, tu vas venir nettoyer et nettoyer. Ouais, bah écoute, ça va pas, mais à un moment donné, faut que tu m'aides aussi, hein. Je trouve que tu fais pas grand chose quand même. La vache. Je suis vraiment pas cool. Par contre, j'ai l'impression que vous passez votre vie à bouffer. À un moment donné, je sais pas, faites autre chose aussi. Hein. Allez, sois poubelle. C'est pourri. Bon anniversaire aux jumelles. Merci, Yann. Oui. Et bientôt aux jumeaux. Oui. Et on a... Oui, on a tout vendu. Ah bah oui, 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 on a tout vendu. Ça y est, je lui ai fait vente directe. Oh, t'as été emmerdé qui pour avoir cette réponse? Les deux sont aussi puissants. Voilà. T'es où? Laisse-la, elle est en train de peindre. Non, mais arrêtez avec ces... Je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont une phobie des céréales en ce moment. Prendre des restes.
toi. Oui, nage. Divertissement. Qu'est-ce que tu peux faire pour te divertir? Oh, attendez, j'ai un problème de lit aussi. J'avais pas pensé à ça. Jouer, serrer, jouer. Voilà, serre-le bien, bien fort. Pourquoi elle est passée dans le plan de travail? Il y a un problème, hein? J'ai un gros problème. Prends des restes. Ce bug. Les salades, ça tient pas au corps. C'est vrai. En attendant, pour le moment, j'ai personne pour me faire à manger. Il y a personne qui est dispo. Et les salades, c'est ce qu'il y a de moins dangereux. Tu vois, niveau cramage, voilà, on est bien. Il y a encore ça aussi qui est sale. Ok, ok. Et nous, faut qu'on se fasse une chambre. Non, papa, alors par contre, si tu fais rien, tu fais rien, tu vas dormir. Ah, faire crac-crac. Oui, on va faire ça. Fais crac-crac. N'oublie pas de sauvegarder. Oui, 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 bien sûr, sauvegarde. C'est ce que je fais tout le temps. Ah. Aurélie, tu t'en vas, j'avais même pas vu. Oh, bah ça alors, Aurélie qui bug. Des bisous Aurélie, je t'embrasse bien fort. Appelle un traiteur. Non mais j'étais en train de me demander si j'appelais pas une femme de ménage ou un truc comme ça, je sais pas. Rip Annabelle et rip la plante vache. Ah, je viens de recevoir un commentaire. Je t'ai dit fais crac crac. Non mais je veux pas... Écoutez-moi. Écoutez-moi un peu, s'il vous plaît. Faites ce que je demande. J'ai demandé faire crac-crac. Viens faire crac-crac. C'est bon, là. On fait crac-crac. On y va. On se détend. On se détend. OK? Tout va bien. Ça se voit. Pas de panique, on se calme. On se calme, oui. Pas de panique, pas de panique. Toi, t'as toujours pas pris de reste. Prends des restes. Pourquoi ils vont pas... Okay. En fait, ils n'ont pas du tout trouvé un seul moment pour pouvoir faire ce que je leur demande. Bah non, parce qu'en fait, ils vont pas du tout. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ah ouais, je sais, ils sont pas bien. Et moi aussi, je suis pas bien. Hein. Toi, tu te divertis pas. Bah, regarde la télé. Ensuite, toi, t'es fatigué. Bah, viens... Ah, déjà, on va éteindre ça. Et viens faire une sieste. Ok. On va dire que c'est à peu près bien. J'ai encore envie de sauvegarder. Moi qui sauvegarde jamais, là, j'ai l'impression que j'ai envie de sauvegarder tout le temps. Je me dis qu'il me faut une chambre. On va faire un truc vite fait. Ah oui, non, mais alors attends, finis ta douche, finis ton bain, parce que sinon ça va encore bugger. Je me demande si on va pas rallonger ici, juste là. Je vais rajouter une pièce là, pour faire une pièce avec d'autres lits pour grands. Après, j'aurais pu aussi... Non. Rentrer deux lits là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué! Allez, dépêche-toi là dans ton bain. Il va s'endormir. Bah oui, qu'il s'endort. Bah bien sûr, tu vas rouiller. Ah, elle est partie dormir. Non. Alors, pars pas dormir. Ah, lui, il est aux toilettes. C'est le couac! Dépêche-toi de sortir des toilettes, s'il te plaît. Allez ici. Maman, viens dans les toilettes. Allez! Ok, et maintenant, viens dormir. Et toi, viens dormir. Ah non, il a faim aussi. C'est pas grave, la faim, ça se gère. Ok. Ah non, il peut pas! Tu m'as saoulée. Très embarrassée, mais pourquoi? Rencontre embarrassante. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, je suis désolée pour toi, mais il va falloir que tu... Il peut pas. Ouh!
Je sais pas si franchement il nous a aidés. Je ne suis pas sûre. Je pense que ce mec ne nous a pas aidés. Voilà, c'est tout. Crac-crac dans la douche, ça marche pas. À chaque fois que je leur demande de faire crac-crac, ça ne marche pas. Dans tous les cas, c'était censé être une boniche qui allait nous aider et il nous a pas du tout aidés. Je suis vraiment dégoûtée. Alors je vais construire un truc. Enfin, je vais essayer de construire une suite de maisons. On va faire un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Voilà, ça fait un beau bloc. Je vous présente le bloc. Bienvenue pour ton follow. Lauriette, bienvenue à toi. C'est joli, non? Écoutez, c'est un bloc. Le premier qui juge mon bloc, il s'en va. Ah ouais, non, ça fait très très bloc. Mais quel est ce beau bloc? Dites-moi tout. Eh bien écoutez, je ne sais pas, c'est une inspiration soudaine que je viens d'avoir. Ah, ou sinon, attendez, on peut peut-être le décaler un chouille, comme ça. On va lui mettre une bordure de toit ou un petit toit, je sais pas, un petit truc, quoi. Ni vu, ni connu. Je vous embrouille. Ça va le faire. Il me faut une chambre. De toute manière, on n'a pas le choix. Donc, on fait ce qu'on peut. Ça pourrait presque faire quelque chose de bien. Moi, je dis, ça passe. Ça peut passer, hein, en soi. Je sais pas pourquoi ça fait cette lumière. Ah, voilà, c'est bien, beaucoup mieux. Ça peut passer. Alors, par contre, question toi, là, ça va vraiment beaucoup plus m'embêter. L'avocat va finalement purer. Évidemment, on demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépasse. Oui, c'est du guacamole, du coup. Toujours du guacamole. Attendez. Je fais quoi, là? Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Donne-moi ton toit. Copier. Ah, je le mets dans quel sens? Non, comme ça, ça va pas aller. Comme ça? Ah. Ça va pas du tout. Écoutez, j'ai envie de vous dire, non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, ou en fait, il faut pas trop regarder. Ça peut aller, hein. Regardez pas. Non, ça va pas, en fait. Bon, si, ça va le faire. Ça peut pas plaire à tout le monde, hein. Ça, c'est sûr. Redescends encore un peu. Voilà, il est rentré dedans, très très bien, nous sommes heureux. Et voilà. Je suis pas sûre de moi pour le coup, j'hésite. J'hésite drôlement. Ou alors je fais la même chose que ça. Mais je suis pas sûre que ce soit mieux. Ferme-moi les yeux, ma foi. Oui, si on ferme les yeux, ça passe. C'est ça qu'il faut se dire. Je sais pas c'est quoi le mieux. Le premier ou le deuxième? En imaginant, bien sûr, des fenêtres, comme ça et comme ça. Une petite terrasse ici. On pourrait se rajouter aussi une fenêtre dans la cuisine. Je ne sais pas trop où j'ai une place. Par là. Un petit truc comme ça. Bon, là, il me faudrait peut-être des trucs un peu mieux. Clôture. Ah, ça, j'ai toujours du mal. Quelle clôture mettre?
C'est un peu trop. Hein. C'est un peu trop. Bon, allez, ça peut le faire. Pourquoi tu m'as enlevé ma porte? Explique-moi pourquoi tu m'enlèves ma porte. N'enlève pas ma porte. Ok. Je prends ma porte. Ah ouais, non, mais attendez, j'ai oublié un truc. Voilà. Maintenant, je peux mettre ma barrière. Ok, bah ça ira comme ça. Hein. J'ai failli t'engueuler parce que tu changeais. Parce que tu changeais le coloris. Ah non, bah non. Eh mais j'ai toujours pas. J'avais pas bien appuyé sur mon bouton avocat. Beau par côte, alors voilà, c'est bien. Mais je sais pas quel toit. Ça bug de ouf, je pense que c'est à cause de Twitch, c'est lourd. Ah ouais, je sais, ElectraSteam. Mais ces derniers temps, j'entends tout le temps parler que ça bug. Est-ce que je suis pour celui-ci ou pas? Le premier perso, 2, j'aurais fait pareil. Le premier, 2. Ah non, mais non. Alors quand je pose une question, faut se mettre d'accord. Bonsoir Ataga, excusez-moi, j'ai pas suivi. Bonsoir Lynn, peut-être ajouter une salle de bain dans le trou entre les deux chambres, comme ça, pas de souci avec le toit. C'est vrai, mais en fait, je trouvais que ça faisait un petit charme d'avoir une terrasse. Mais après, c'est pas con, parce que franchement, la salle de bain, on en aura peut-être besoin. Comme ça. Comme ça. Oh, j'aurais peut-être plus tendance à dire ça. Écoutez, c'est pas grave, dans tous les cas, à un moment donné, ça changera. Le premier perso. Sinon, vous étiez mitigé, quoi. 2-2. Ok. Ah, mais ce soir, vous avez fait des réserves de points, c'est pas possible. Et maintenant, c'est la disparition. Vous êtes pas bien, hein. Bon, déjà, on a une bonne base. On est à 2009, de toute manière, on va pas claquer des... On va pas claquer beaucoup. Vu qu'en plus, aujourd'hui... C'est quoi ce papier peint? Mais il vient d'où ce papier peint? Bon, sinon j'étais en train de dire, vu qu'aujourd'hui de toute manière on est plus sur les anniversaires et que c'est ça qu'on a envie de voir, j'ai pas envie de faire trop de construction, on va juste faire un tout petit mini truc très vite fait. Comme ça. Comme ça. Oui, j'aurais pu faire comme ça, voilà, tout simplement. Je sais pas pourquoi je fais comme ça, comme ça. Ça là, on va prendre un parquet. Pour changer un peu. Mais quoi là? J'ai du blanc. Et ben on va mettre celui-ci. Ça change vachement. Waouh! Waouh! Non, ça change pas du tout. Comme ça. Celui-là peut-être. On va mettre ça. On va mettre une petite lumière. Vite fait. Du coup, on va décaler ça ici. Voilà, très bien. Et on va mettre une porte. Oui, une porte. Ah, et des lits. C'est quand même le plus important, les lits. J'ai failli oublier. Ça aurait été bête, hein. Alors, lit. On a pris ceux-là. Lequel on va prendre maintenant? J'aime bien celui-là. C'est encore écologie. C'est fou, pardon. Excusez-moi. C'est fou, mais franchement, écologie, à chaque fois, j'y reviens. Mais j'adore ça, hein. Ils sont beaux, les meubles. Des toilettes à part seraient pratiques aussi. C'est vrai que des toilettes seraient très, très pratiques. Et quand je pense qu'au tout début, on m'a dit, mais pourquoi tu casses pas l'étage? En fait, je me suis dit, c'est vrai, j'ai peut-être pas besoin d'une maison aussi grande. Mais en fait, si! Il nous faut une maison super grande. Allez, un comme ça. Ou alors on va faire plus foncé. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Pour le moment, ça sera ça. C'est pour le frère et la sœur. Ah bah non, le frère et la sœur, ils sont là. Je dis n'importe quoi. 1500. On va se calmer. On va laisser ça comme ça. C'est quoi ce filtre, NG? C'est vrai, c'est bien que tu m'en parles. C'est le filtre disparition. Je sais pas si ça fait, si ça fait longtemps que je l'ai mis ou pas. Tellement beau le meuble écologique. Ouais,
Je trouve que ce pack-là, au niveau du meuble, ils sont super beaux. Tout comme mon filtre. C'est même très flippant. J'ai rien oublié, le principal est là. Oui, le principal est là. C'est parti. Du coup, bah, tu sais quoi, pour le moment, t'as qu'à aller dormir ici, toi. Voilà, comme ça, tu vas pas m'embêter. Ensuite, qui est fatigué? Eh bah, bien, tout le monde, presque, en fait. Parce que non, ça va. Toi, tu es très fatigué. Ah, dommage. Oui, en plus, c'est les sœurs qui dorment là. J'ai rien compris, moi. Attribuer le lit, bah, je vais te l'attribuer à toi. T'as des trucs qui sont partis dans l'inventaire du foyer. Mais rends-moi mon meuble! Une rose. Oh, tiens, on va poser les médicaments ici. J'ai une rose qui est partie aussi. Mais pourquoi une rose? Ma petite photo. Mon autre photo. Un livre sur le jardinage, ok. Ça, on s'en fout. C'est relou ces trucs-là, parce que j'ai fait l'agrandissement. Bon, ça pour le moment, c'est pas super, mais on va dire que ça sera vendu après. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai une rose. J'ai une rose. C'est joli. On va la poser là. On aurait dû la poser sur la tombe de sa mère. Philippe, il avait pas de... Ah, Philippe, il avait peut-être une rose. Après, il n'avait pas ça, ça c'était là. Ils ont voulu me casser ma maison. Non, mais en fait, on les a retrouvés finalement, les devoirs. Ils avaient bugué. Ça m'était déjà arrivé. Tu les trouves plus dans une partie, tu t'éteins ta partie. En fait, après, tu la rallumes et c'est bon, ils sont là. Alors toi, t'as raison, va te laver. Par contre, toi, t'as très envie de dormir. Je t'ai attribué le lit, oui. Je crois, je ne sais plus. Et du coup, va dormir. Ensuite, toi, je vais t'attribuer ce lit-là. Et lui, il ira dormir ailleurs. Toi, c'est pareil, va dormir. Toi aussi. Passe aux toilettes d'abord. Et ensuite, tu vas aller dormir. C'est bientôt l'anniversaire. Eh ben, on est bien contents parce que franchement, là, c'est le bazar. Quatre gamins, quoi. J'ai juste quatre gamins. Et pourquoi toi, tu veux toujours dormir qu'à moitié? Non, il est 21h. Tu peux dormir en entier. T'as le droit. Toi aussi, tu vas dormir en entier. Et toi, tu vas descendre en bas, gentiment. Voilà, faire comme ta pas fille, parce que c'est pas ta fille. Et tu vas faire une sieste pendant qu'elle va pouvoir monter pour dormir. On l'attend. Ah bah oui, mais non, lui, il va pas se lever. Voilà, très bien. Et va dormir. Est-ce que ça sent que maintenant, ma famille va être un peu plus... Oh, c'est pas vrai. Ok. Et... Ouais, c'est... Elle a peint la Vierge. Ouais, parce que je crois qu'elle avait des prières à faire, s'il vous plaît. Sainte Vierge. Sortez-moi... Sainte Vierge. J'adore cette fille. Ah non. Non, 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 mais non. Oh, au secours. Y'a rien qui se passe normalement. Y'a rien qui se passe normalement. Fais une sieste, fais une sieste. Et il y a... Oh non, il y a un fantôme. Oh. Vous sentez le craquage? J'étais mais trop contente de cette soirée. Je me suis dit, mais ça va être une soirée trop bien. Il n'y a que des anniversaires. Quatre enfants qui grandissent. Et en fait, c'est pourri. Laisse-le.
Et toi, tu fais quoi? Elle, elle part nager, on sait pas pourquoi. Libère son esprit. Libérer l'esprit. Allez, c'est bon. Je t'aime, Philippe, mais au revoir. Non, par contre, s'il te plaît, sors. Libère son esprit. Oui, carrément. Vas-y, va-t'en. Merci. Très, très bien. Et... C'est compliqué là. Putain, j'ai cru qu'il était en train de la supplier, laisse-moi dormir. Cléandre, merci, bienvenue à toi. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Ah ouais, non, là, franchement, c'est le genre de partie. Tu viens un soir et tu dis, tiens, je vais me détendre un petit peu. Je vais me poser devant mon jeu. Je vais me détendre. Et en fait, une fois que tu as fini ta partie, tu es 10 fois plus vénère que quand tu l'as commencé. Tu n'es pas du tout détendu. Non, sérieux. On bénit toutes les... Oh là 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 là. Est-ce que ce coup-ci, vous pouvez faire crac-crac, ça serait cool, parce que si ça pouvait vous divertir à fond, vu votre barre de divertissement, ça serait super cool. Viens ici. Allez ici, dépêche-toi. Vite, on y va. Faites qu'il y ait un truc qui se passe bien. Non, non, non. Non, 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 non. Toi, tu bouges pas. Toi, tu vas demander à madame... Est-ce que tu veux faire l'amour avec moi? Complimenter l'apparence. Allez, s'il te plaît. Non, il est tendu. Mais non, mais justement, c'est pour te détendre. Nanar, va. Écoute-moi, je vais t'aider. Amour, enlacé. Allez. Toi, non, non, ils ne vont pas bien. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas du tout faire la crac-crac. Crac-crac. Je vous jure que ça va vous aider et ça va nous aider. S'il vous plaît. Alicia, merci pour ton sub. Merci beaucoup. Non. C'est pas possible. Ok, j'abandonne. J'abandonne, j'abandonne. Danse. Viens danser. Et toi? Vas-y, viens manger un truc, j'abandonne. Je veux plus. C'est foutu. Tout est foutu. Plus de préliminaires. J'ai pas le temps de préliminaires. Ils étaient dans le vert, ils allaient tous bien. Et au moment où ils s'approchent l'un de l'autre, ils sont tendus et tout. Regarde la télé en même temps, s'il te plaît. Allez. Mais tu regardes pas la télé, là. Voilà. Ça marche pas du tout. Non, y a rien qui marche. Il est nul, ce mec. La Bonnie, je suis inutile. Ah, je sais pas si elle est inutile. Elle est surtout très stressante, cette Bonnie. Bon, après, on n'aurait pas eu le temps de ramasser tout le jardin. Là, pour le coup, on a le jardin qui a été nettoyé, c'est bien. Mais pour le moment, c'est le seul truc qu'il a su faire. Hein. Ouh. C'est bien un petit striptease. Qui a fait un striptease? Oh là là, et les enfants partent à l'école. Ils virent le à coup de pied dans le cul. Mais attendez, mais non, mais elle est partie où? Mais non, mais non, mais non, mais fais pas ça. Mais tu vas où, toi? Viens te laver les dents et te laver les mains. Dans le sens que tu veux, c'est pas grave. Toi, ensuite, t'es en train de prendre ta douche, c'est très bien. Toi, t'as envie de faire pipi, mais tu peux pas parce que... Il y a pas de toilette. Je pète un câble. J'en peux plus. Qu'est-ce qu'il veut, Streamlabs? Il me raconte quoi dans sa vie? Ah oui, il y a un point, pardon. En même temps, elle s'est fait enlever 2 fois. Elle doit lui en vouloir. Bah oui, c'est de sa faute, c'est vrai. Viens utiliser, après t'iras manger. Voilà, lui il va manger les sandwichs pourris. Et lui il est où là? Il fait la vaisselle, il va beaucoup mieux, il est légèrement énergisé. Elle, elle a faim. Prends des restes.
Ok. Tu es énergisée, chérie. Très, très bien. Si tu es énergisée, tu vas donc... tout vendre. Déjà, tout arroser et ensuite tout vendre. Allez, va t'occuper des jardins. Fais-moi des vacances. Ça me fait du bien. Toi, t'as faim. Tu vas direction... te laver les mains. C'est hyper logique. Et toi, par contre, tu t'en fous, mais tu te lèves pas. Hein. Va utiliser ça et va prendre une douche. T'es dans un état... Ah, j'ai cru qu'elle s'était pris un coup de jus. Je me suis dit, il manquait plus que ça, tiens. Tu crois que c'est la vision qu'il avait qui le dérangeait, c'est pour ça? Ah, bah écoute. Et c'était mignon, son popotin qui se trémoussait, moi, je dis. Continue de chercher. Arrêtez de me poser des questions. Je veux plus rien savoir de votre vie. Débrouillez-vous. Et du coup, d'ailleurs, tu sais ce que tu pourrais faire? Tu pourrais prendre des restes. Allez. Ok. Le travail de Petroni commence. C'est très, très bien. Nous n'avons pas du tout fait nos tâches. De toute manière, nous ne travaillons plus du tout. 52 minutes. Vite. Vendre à un collectionneur. Non, je me suis trompée. C'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Vendre à une galerie d'art. Voilà. Le temps qu'elle arrive, c'est bien. Je sais pas si ça a marché. Et fais-moi tout de suite une toile de 50 simflous. Mais non, mais tu t'es pas levée. Mais je t'avais demandé de te lever. Et elle se pisse dessus. Prends une douche. Il n'y a plus rien qui va. C'est une partie pourrie. Je suis dégoûtée. Bon, il nous reste un espoir. Ah non, les enfants sont partis. Dans 0 jours. Oui. Oui. Dans 0 jours, mais apparemment demain. Oui. De toute manière, on ne va pas avoir grand-chose à voir. Puisque tout le monde se casse. C'est très joli ce que tu me fais, mais dépêche-toi, Petroni. Oh non. Non, non. Non, c'est Petroni qui va vieillir. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Monsieur est snob. Merci pour ton follow. Merci pour ton follow, espoir. Merci à toi. Merci, Tony. Courage, tu m'étonnes, il va m'en falloir. T'as vu, c'est dur hein, quand même, hein, jouer aux Sims. Hein. Tu me comprends maintenant. Dis que tu me comprends. Bon, par contre, lui, j'ai dit activer, mais il s'active pas. Hein. Il se désactive pas. Ou il s'active pas, je sais pas. Métro marche. Si je fais désactiver, ça fait quoi? Je sais pas. Ok, c'est très bien. Eh bah écoutez, nous sommes très très heureux. Voilà, c'est très très bien. Tout le monde est parti, sauf elle. Non ma chérie, alors les petits pois, c'est pour demain. Hein, on va à l'école, comme tout le monde. T'avais qu'à te lever. En plus, tu vas très très bien. Allez, vas-y, file à l'école. Non, elle ne va pas à l'école. Elle n'a pas du tout envie d'aller à l'école. Oh, qu'est-ce qu'elle a? Très embarrassée. Oh non, 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 va à l'école. Ça va aller mieux. Oh, la pauvre. Ah bah, c'est une sacrée famille. Écoute, mon chéri, il ne reste plus que toi et nous. Ah, mais qu'il est con. Ah, on a le courrier qui a été distribué. Ah, c'est quoi? Des factures encore? Un huissier qui vient? Je sais pas. Non? Qu'est-ce que ça peut bien être? On se demande bien. On va prendre le courrier, on sait jamais. Peut-être qu'une bonne nouvelle. Au cas où, on sait jamais. Salut Céline! Ah là 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 là, je vous jure. Eh bah... Admirer, non mais admirer quand même. Éteins la... Mais c'est quoi cette connerie? J'ai pas encore compris comment ça fonctionne. Éteindre, mais alors il s'active pas tout seul? C'est quoi la différence entre arrêter et activer? Parce que... Moi, il n'a pas compris. Hein. Il y a forcément activer ou désactiver. C'est qu'il s'active ou il se désactive, non? Je sais pas. Bonsoir, ça... Bonsoir, salut. Oui, bonsoir, espoir.
Bah écoutez, je ne sais pas. Alors, activer, ça active l'arrosage automatique tous les matins. Ah bah voilà, bah c'est ça. Donc là, il est activé. Et pourquoi tu veux que je l'arrête ? Mais moi, je veux qu'il soit activé. Ok, 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 ok. T'as récupéré quoi, du coup ? C'est tout ? C'est ça que t'as récupéré ? Ok, ok. Est-ce que tu peux améliorer quelque chose ? Pas du tout. Ici ? Ah, oh, bah tiens, oui, ça, c'est bien. Voilà, et ben on a trouvé ton occupation de la journée. Ouhou ! Tu es ravie. Je suis toute naze. Je lutte pour voir les grands devenir ados. Pourvu que ça arrive vite. Oh, mais bientôt, bientôt, ça va arriver. Répare à l'étage. Oh, ouh, trop, trop bien. J'avais oublié. Merci. Réparer ensuite. Dépêche-toi. Très, très bien. Eh ben, écoute, ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver bientôt. Et c'est là que ça arrive que demain. Merci, merci. Ok, bah écoute, c'est bien. Maintenant, tu peux... Oh là là, tu sais ce que tu peux faire. Tu peux faire une grosse sieste. Va faire dodo, profite. C'est bien, comme ça, ça passe beaucoup plus vite pour nous. Et on est content. Bon. Ah. Par contre, on aurait peut-être pu nettoyer devant la maison. Je suis désolée, je vais t'embêter 2 secondes encore. Mais c'est pas parfait. Et quand on est une bonne... Ah, je sais pas si c'est des gens qui crient dans ma rue ou si c'est un chien, mais ça fait un bruit, ça fait un peu peur. Mais tout va bien, je pense que tout va bien. Donc, Bertrude, ma chère Bertrude. Bertrude, Bertrude, que la vie est rude. Je sais, c'est nul. Thierry et Petroni. Thierry ? Thierry. Ah oui, bah Thierry, oui, c'est... Ah oui, oui, Thierry, c'est Léon. J'avais oublié. Vont vieillir avant les gosses. Non, c'est vrai ? Non. Non. Elle, bah oui, apparemment. Mais lui, lui aussi. Oh non, putain, je me suis encore pris un vieux. On peut pas le rajeunir. On n'a pas le droit à une potion de jeunesse, là, ou un truc comme ça. Moi, je comprends jamais. Oui, bah oui, ils vont tous vieillir avant les gosses. Super. Super, nous sommes heureux. Vous savez quoi, en même temps, j'ai pas vraiment envie de... tu me fais pas le même coup qu'Annabelle, hein. La dernière fois qu'il y a quelqu'un qui nous a fait ça, elle a clamsé sur le palier. Bah non, je veux pas qu'elle manque le travail. Donc... N'oublie pas de sauvegarder. J'avais dit non. Oui bah... Elle est où ? T'aurais pu continuer de travailler, t'étais pas obligée de rentrer, il y en a qui fêtent pas leurs anniversaires, hein. C'est pas une obligation. Bon, bah maintenant elle est épuisée. Nous allons la coucher. Il est où, lui ? Ah, t'es là. Ok, reviens ici. Tu vas cuisiner quelque chose. Avec un niveau 1... On se tente des toasts. Au feu, les pompiers, je le sens. Sauvegarde, oui, sauvegarde, sauvegarde, sauvegarder. Toujours sauvegarder. Faut toujours écouter Wiki Katsi. Je t'écoute beaucoup, mais je réfléchis avant de t'écouter. T'es dessus ? C'est vrai, il est toujours là justement, il est tout neuf, on pourra le reprendre, mais t'as vu, déjà c'était compliqué de le prendre. Lui aussi il se cassait sans arrêt. Lui il est parti un peu moins effrayé. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pris ce que qui m'acceptait. En même temps, faut l'accepter notre Petroni. Tu le sais. En plus, avec 4 gamins, faut l'accepter. Regarde-moi ça. C'est la couille dans cette maison. C'est bien. Faites votre vie, les enfants. Très, très bien. De toute manière, on sait que vous ne deviendrez pas des super intellos. Donc, tant qu'ils restent en vie, je dirais, c'est le plus important. Donc, ils ont le droit de profiter de leur vie et de s'éclater et tout, hein. Faites tes devoirs aussi un petit peu. Je dis ça et en même temps je leur fais faire leur devoir. Ah oui, c'est sûr, là ils s'éclatent à fond. Moi. Ils s'éclatent à fond. Par contre, maman, elle s'éclate pas du tout. Et toi, t'as réussi ? Non. Oh, waouh ! Ah oui, t'as le droit de manger.
pour une fois. Je crois que c'est la première fois que j'accepte que tu manges. Ok, t'as le droit de manger. Pas manger. Mais écoutez, les autres, ils mangeront un peu plus tard. Oliver, t'es gentil, reste avec ma sœur. Jewel, bonsoir et merci pour ton follow, bienvenue à toi. Écoutez, c'est le silence, regardez-moi ça. Des enfants qui font leur devoir, Poniche qui mange, d'autres regardent la télé. Pourquoi tu m'as cassé mon trip? J'étais trop bien. C'était paisible. La maison est enfin en place, prête à accueillir nos ados. Qui a besoin de communiquer? Toi, t'as besoin de communiquer, c'est vrai? Eh ben, tu sais quoi, maintenant que t'as fait un petit test en cuisine, ce que tu vas nous faire, plus de choix, et tu vas tenter de faire le gâteau. Parce que l'autre, il est mort, je crois. Pourquoi j'ai fait plus de choix? C'est quoi que je veux faire, là? Cuisiner. Un gâteau. Allez, faisons un petit gâteau. Ah, ça m'annonce pas encore, hein, l'anniversaire. Oh, Mocheline, elle a envoyé un cadeau. Non, pas du tout. Ça réveille, ouais. Ouais, ça m'a cassé mon truc. Moi, j'étais bien et tout, j'étais contente pour une fois que j'ai l'impression que tout allait bien. Et bah, tu m'as fait sursauter. Écoute, ça a l'air d'aller à peu près. T'as qu'à te détendre dans un bain. Oh là là, je leur dis même de se détendre. Ils ont le temps de se détendre. Bon, elle a pas fait ses devoirs. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle a le temps de se détendre. D'ailleurs, toi, tu devrais faire tes devoirs. Faire ses devoirs. Elle, maintenant, elle va un peu moins bien. Est-ce que t'as le droit de faire pipi avec ta sœur? Non, elle va se faire envoyer bouler. Hein. Pardon, excusez-moi, je me suis plantée. Souris. Utilisée. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas venir prendre une petite assiette. Arrêtez de prendre tout le temps. Non, alors toi, par contre, gâteau, vite. Ajoutez des bougies, on se dépêche. Voilà, très très bien. Et maman, j'ai envie de tenter le crac-crac, mais j'ose pas. Elle est ici. Elle est joueuse. Toi, viens ici. Attendez, parce que... Qu'est-ce que tu m'as fait, toi? Toi, c'est bon, tu peux faire ce que tu veux. Non, tes devoirs. On fait les devoirs, elle. Elle va les manger, et elle mange. Ok, les enfants sont occupés, c'est bon. Est-ce que, ce coup-ci, on peut tenter de faire un truc? Parlez d'art. Je suis sûre que ça va la charmer. Parle-lui d'art. Arrête de parler avec ton frère. Voilà. On lui parle. Eh, en même temps, c'est lui qui doit faire des... Oh, toi aussi, t'as envie de prendre Gertrude en photo. Prendre une photo avec. Je sais pas pourquoi j'ai cru que ça avait frappé. Elle est con. Ah ouais, ça va, c'est pas trop fort, hein. J'ai pas trop entendu, mais pendant 2 secondes, je me suis posé des questions. Ah oui. Ça fait peur, hein, si vous avez un gros casque, ouais, ça fait bizarre, hein. J'avoue que c'est le genre de truc, ça me fait hyper sursauter. D'accord, et maintenant, complimenter. Ah, oh, vous avez vu comment ça lag, mon... Allez, arrête de laguer, là. On va partager des idées. Et ensuite, allez, je veux un crac-crac. Un seul, avant que vous mouriez. Parce qu'après, de toute manière, tu pourras plus rien faire. C'est vrai, en plus, après, il pourra plus. Oh, avouez son attirance. N'oublie pas de sauvegarder. Oui. Ah non, moi, là, avec les petits écouteurs, ça va, ça me fait pas le même effet. Ou vraiment, quand je le casque, en fait, je me tourne à chaque fois de...
de peur, quoi. C'est normal. Embrasser. Oh, tu fais quelque chose ou c'est elle qui cause? Mais tais-toi, Pipelette. Ok, ils s'embrassent. Pas bébé. Non, je veux pas un bébé. Je veux juste faire un crac-crac. S'il vous plaît, faites un crac-crac comme... Oh, on va pouvoir fêter l'anniversaire de Bertrude. Oui. Allez. Enfin, alléluia, ils vont se divertir. Ouh. Eh bah, c'est bon, faites votre affaire. Et nous, ah, la télé est cramée. Et nous, on va faire... Qui fait en premier? Bertrude? Bah non, même pas. Furon que lui dit rien à lui. Bon, bah d'accord, Bertrude en première. Dépêche-toi! Devoir fini! On s'en fout un peu, mais devoir fini! Oui! Et maintenant, elle va. Non, mais qu'est-ce qui se passe là? Arrêtez! Faire un vœu. Pourquoi tout est cassé? C'est pas grave, il est super content. Ça y est, ils peuvent dormir ensemble. Oui! Yes, yes, yes! Elle est contente. Et elle est divertie. Sauvegarde. Ah, anniversaire de Bertrude. Oui, c'est le moment, c'est le bon moment. Maman, par contre, c'était super bien. Non, alors, non, pas... Oui, enfin, si, ça, ok. Attention, voici le sosie de Petroni qui grandit. Petroni, Bertrude, ah, bon. elle n'accepte pas ce changement. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Oh mon dieu, j'en veux plus, c'est quoi cette partie? Viens ici toi, dépêche-toi, viens réparer. Je comprends pas, mais j'ose pas la toucher. Je veux pas qu'elle grandisse deux fois. Qu'est-ce qui se passe? Viens ajouter des bougies. J'ai demandé à quelqu'un d'ajouter des bougies. Qui vient faire des bougies, là? Personne, elle ne bouge pas. Bouge, ma chérie. Tu peux bouger ou pas? Non, elle aussi, elle est bloquée, en fait. Prends des restes. Ok. Furoncle, dis-moi que toi, tu grandis. Bah écoute, Virginie, tu t'attendais spécialement pour les voir. Ah, ça se trouve, tu les verras pas parce que... Bah, je sais pas. Ils grandissent pas. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Ah non, c'est bon. Ne souffle pas, c'est pas ton tour. On souffle ou pas? On y va. Oui, là, ils... Avec 3 voix contre vous, Angélique, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Je sais pas. C'est le sorcier. Oui, ça doit être ça. C'est le sorcier. Je sais pas. Mes bougies n'ont pas été soufflées. Non, bah écoute, en même temps, en plus, il y a tout qui part en cacahuète encore une fois. Nettoie ici. Répare ça. Je piche pas, là, les gars. Ça a réparé, ça aussi? Non, c'est bon. Je ne comprends pas. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Bah si, c'est pas vrai, hein. ça c'est pas bien vrai, hein. Dis donc, qu'est-ce qui se passe? Prévoir une tenue. Je suis pas sûre que c'est comme ça qu'on fasse. Je voudrais aller dans le casse, mais... Oui, si, c'est comme ça. Ils ont pas grandi, en fait. Mais pas du tout. J'ai oublié de cliquer sur faire un vœu. Les anniversaires ne sont pas buggés chez moi. Ouh, ça me rassure. Les anniversaires sont buggés? Ah, et on fait comment alors? Souhaitez-vous vraiment annuler? Bah oui. C'est aléatoire, comme bien des bugs, mais ça fait partie de la liste des nouveaux bugs. Oh, mais qui sont cool ceux-là! Oh bah dis donc, alors là, franchement, on est ravis. Ce bug-là, il est vraiment pratique. Ah non, bah alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, du coup,
Si je la fais souffler deux fois, il se passe quoi? Parce que lui... Anniversaire, fête son anniversaire. Lui, par contre, je suis même pas sûre qu'il ait compris qu'il avait fêté son anniversaire. Fait un vœu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ok, lui, il avait pas fait. On voudrait le même bug dans la vie. Je suis tout à fait d'accord. Ah, en tout cas, lui aussi, il a bugué direct dans le mur, derrière, voilà. Eh ben écoutez, j'ai envie de dire que... À qui vont grandir tout seuls, hein? C'est tout ce qu'il nous reste à faire? Ouais, ajoute des bougies, on sait jamais. Il a soufflé trop fort. Ouais, ça doit être ça. Ça l'a envolé, le pauvre. Non, mais là, par contre, ouais, ce soir, pour le coup, on était dans la série Bug Bug. Oh, mais non, mais même la télé, on l'a encore pété, réparé. Tu la répares toujours pas, là? Là, ouais, on est vraiment dans une partie... Mais après, on peut redémarrer la partie plus tard, un autre jour, et puis on n'aura plus du tout de bug. C'est ça qui est bien. C'est que ça dure pas tout le temps. C'est un complot. Mais là, pour le coup, bah... C'est pas bon. Ça n'avait pas marché chez moi et franchement, j'ai peur de souffler plusieurs fois. Ouais, non, c'est clair. Non, non, tu peux faire un vœu, tu peux faire plusieurs trucs. Hein. Là, à partir du moment où notre mère, t'as le petit icône, fête son anniversaire, c'est que c'est considéré comme tu lui as fait souffler. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas grandi. Et c'est vrai que je voudrais pas tenter de le faire grandir. Alors après, ce que je peux... Ouais, enfin, ce qu'on pourrait faire, c'est sauvegarder... Et juste avant de partir, de le faire grandir, mais en fait, bah non, c'est pas grave, on verra ça dans le prochain épisode. Voilà quoi. Comme ça, au moins, et bah, au moins, on commencera encore de toute beauté, hein, on y croit. Hein, ça va être génial. On est sûr que tout va bien se passer. En attendant, on a déjà une chambre. Tout le monde peut faire dodo, et ça c'est bien. Par contre, si toi tu peux nettoyer ça, ça serait bien aussi. Toi, c'était quoi que tu voulais faire là? Rien du tout. Très bien. Et maintenant, tout le monde peut aller se coucher. Et ça, on est heureux. Moi, je suis heureuse, parce que franchement, c'est un truc qui débloque quand même quelque chose. Même si on sait que finalement, lui, dans quelques jours, il va encore nous quitter. Je suis dégoûtée. Mais on aura des ados, donc ils seront un peu plus autonomes. On n'a plus de bambins, donc c'est quand même un peu plus gérable. C'est quand même bien. Bon bah dommage hein, on les aura pas vus, vous m'en voulez pas. Et en faisant un aller-retour pour modifier le monde. Sauvegarder et gérer les mondes. Bienvenue pour ton follow. Oh, il faut voir si la fille de Mocheline a grandi. Ah oui, c'est vrai. Bah la fille de Mocheline, elle habite où Mocheline? Oh oui, elle a grandi. Ah, elle a grandi. Ah, bah, elle a retrouvé les gènes de la famille, hein. Effectivement. Oh non, oh non. Ah, c'est la petite fille Annabelle, hein, j'ai envie de vous le dire. T'es trop loin pour que je t'en veuille. Ah, bah, ça va, alors. Ah ouais, non, bah, pour le coup, j'ai l'impression que c'est même la pire des petites filles. En fait, parce qu'elle a vraiment, on voit bien le visage complètement aplati. Et alors, bah, les yeux, quoi. Donc finalement, on s'en sort plutôt pas mal. Franchement. Nous, les nôtres, ils sont mieux. Ils sont beaucoup plus beaux, mais ils n'ont pas grandi. Oh. Ah ouais, les yeux de chien battu et la face écrasée, ouais. C'est tout la pas belle. Petroni était le bon choix. Ah, je l'avais pas vu venir celui-là, mais oui, oui. Ben oui, écoutez, effectivement. Oh là là, je crois qu'il est temps que j'arrête ma partie. Hein. Ouh, yaya. Tu veux pas dormir encore? Parce qu'il est là? Si, c'est bon.
Je crois qu'il est grand temps que j'arrête parce que franchement, c'était très très buggé. Mais oui, vous aviez raison. Oh, ok, je vous le reconnais. Finalement, Mocheline n'était pas le meilleur choix et vous avez bien fait de voter pour Petroni. Alors, vous savez quoi? Vous avez gagné. Pour le prochain, c'est vous aussi qui voterez. Ça vous va comme ça? Dites-moi que vous êtes heureux. Dites-moi que ça vous fait plaisir. On n'a pas vu l'adolescence de Louise. Oui. Oui, bah bien sûr, on n'a pas vu Louise adolescente, mais en même temps, pour le moment, on n'a pas vu non plus les deux autres qui vont pas encore devenir adolescents. On a vu d'ailleurs personne adolescent, on ne sait pas. Mais sur les bambins, enfin sur les enfants, c'est quand même celle qui, pour moi, est la moins belle. Franchement, même Bertrude, elle a moins la face écrasée. Donc, voilà. Ça va. Ceux qui ont voté Petroni, pfff. Enfin, bah écoutez, bah c'est très bien, on a un petit peu dépassé. Et puis bah moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un beau week-end. Demain, il y a une petite vidéo qui sort sur YouTube. Et normalement, bah si tout va bien, on se retrouve mardi en live. Mais je sais pas encore sur quoi. Et voilà, c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous, bonne fin de week-end à tous et bon dimanche. Ciao. Non, pas de ciao parce que je suis pas partie. Mais non, je suis partie. Merci à tous. Oh, oh, oh chérie, vous m'aimez. Vous m'aimez, chérie. Oh, oh, oh.